Qu'est-ce qu'on dit bonjour, bonsoir, bonsoir, bon après-midi? Bon après-midi à vous, bon après-midi. Voilà. J'espère que vous allez bien. Merci de faire un tour de partage. Partagez, partagez mes gens, partagez. Voilà. Je ne vois même pas un partage. Partagez. Qu'est-ce qu'on dit? Bonjour, bonsoir, bonsoir. Partagez pour moi. Voilà. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je me porte à merveille. Voilà. Le dossier de Marida Ngoum. Merci, Marida. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir, 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 bonsoir. Je veux que vous m'aidez à partager. On va parler vite fait. Voilà. Un seul partage. C'est pas normal. C'est pas normal. 26, il y a 26 personnes. On a coupé la lumière. Vraiment. Déjà 26 personnes et puis il y a une seule personne qui a, il y a une seule personne à liker et un seul partage. Faites un tour de partage, je vous en prie. C'est pas un clash. C'est pas un clash. J'ai l'impression que je vais revenir dans les clashs. Mais pour aujourd'hui, c'est pas un clash. Ce n'est pas un clash. OK? Je veux seulement mettre les points sur les i. Je veux mettre les points sur les i. Partagez, mes gens. Partagez. Aidez-moi à partager, non? Marie dit que je suis Ndorobidji. Ndorobidji. Maman, c'est mon ventre qui me conduit, non? Mais elle veut faire comment? Là où mon ventre m'amène, je pars. Je veux faire comment, moi? Il veut faire comment? Donc, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, partagez. Dites-moi quand même bonsoir, non? Je vous dis bonsoir, vous ne répondez pas. Dites-moi quand même bonsoir. La paix est bien. Dites bonsoir. Quand on dit bonsoir, vous dites bonsoir, non? Ou bien? Hein? Oh, Sam, bonjour à toi, ma chérie. Voilà, au moins Roxane est polie. Bonjour, c'est normal. Voilà. Laura Champagne, merci pour les cœurs, ma belle. Merci. Ne reviens plus la main, avance seulement comme ça. Comment, Mado? Tu es très belle avec les courts cheveux. Merci. Merci. Marida, bonsoir. Ouais, quand même. On est là, vous dites bonsoir, vous ne répondez pas. C'est quoi? Même si on a les problèmes, quand quelqu'un dit bonsoir, tu dis quand même bonsoir avant de serrer ta face encore après. Coucou Madoka, très belle avec ta coupe et ta teinture. Merci. Merci bien.
Merci à vous. Continuez de partager. Je veux qu'on partage à 200 personnes connectées. Je vais dire ce que j'ai à dire. Ce que j'ai à dire, ok, au TKC, je ne peux pas dire ça avec moins de 200 personnes connectées. Voilà. Bonsoir la grâce. Partagez 200 personnes connectées. On commence. Parce qu'on est calme. Vous n'aimez pas quand on est calme. Quand on dit que non, on veut sortir de la boue. Vous voulez tout tirer les gens pour ramener dans la boue. Vous voulez toujours prendre les gens pour mélanger comme ça dans la boue. Même quand on dit qu'on ne veut plus, c'est quoi? Donc, à 200 personnes connectées, je veux parler. J'ai un message à passer à la TKC. Bipiez-moi la TKC. Ils disaient que oh, quand il s'agit de compresseur, je suis pressé pour venir faire les lives. Moi, je fais les lives sur tous les jours. Sur tout le monde, j'ai un sujet qui me plaît, que je veux décrypter. Je décrypte et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Ouais. Je vais te dire ça comment? Bipez-moi les TKC. Bipez-moi les TKC. Vous savez que moi, je ne dure pas dans mauvais rêve. Vous me provoquez. Bipez la TKC. Merci, oh maman. Maman Marie, merci. Bipez-moi la TKC. Je vais parler un peu à la TKC. Je vais parler un peu à la TKC. Bipez-moi la TKC. Vous n'avez pas pitié de moi. Donc, comme je dis là que non, je veux sortir des clashs. Aidez-moi. La TKC vous a fait quoi? Aidez-moi à sortir des clashs. Vous voulez tout me ramener? Il y a quoi, mémé? Il y a quoi? Pourquoi vous n'aimez pas qu'on dise la vérité? Vous aimez le suivisme? Pourquoi? Vous me connaissez sur Meta que moi, je ne suis pas dans le suivisme. Quand c'est Flo qui fait quelque chose, je viens, je dis la vérité. Je dis que non, Flo, ici tu as un dème. Les abeilles vont me laver une semaine, après ils vont se fatiguer. Ok? Il y a une blogueuse qui a dit que je ne parle plus de son affaire. C'est un choix. Que je ne parle plus de ce qui la concerne. C'est un choix de vie. Oui. Ce n'est pas que j'ai peur d'elle. Non. Mais c'est un choix que j'ai dit que je ne parlerai plus jamais d'elle. Même prononcer son nom dans mes... Je ne veux plus. Je ne veux plus. C'est un choix de vie. Ce n'est pas par peur. Vous connaissez que moi sur Facebook, je suis tenace. Vous savez que moi sur Facebook, je suis le petit piment qui pique. Le piment que ça tombe en pleine forêt. Là. Le piment des oiseaux. Moi ne me plante pas. Je pousse seul. Les petits piments là. Vous connaissez que c'est moi. Que quand j'entre dans les yeux de quelqu'un, ça te pique même un mois sans sortir. Mais quand je dis que vraiment, je ne veux plus. En somme, Mabila, comment tu vas? Hein? Quand elle dit que non, je ne veux plus les clashs. Aidez-moi aussi à sortir de ça. Hein? À 200 personnes connectées, on va commencer. Comme vous voulez que les gens reviennent tout dans la saleté. Moi, je suis dans ma sensibilisation, dans mon couloir. J'ai sensibilisé hier, j'ai pris un cas. Un cas qui était sous la main, que tout le monde connaît. J'ai sensibilisé. Je ne crois pas que j'ai tiré seulement sur compresseur. J'ai parlé de compresseur, j'ai parlé aussi de Tatiana. J'ai dit les vérités de chacune. Hein? Mais la vérité fait mal, c'est vrai. La vérité fait mal. J'ai dit qu'à 200 personnes connectées, je vais parler au TKC. Et ça ne chauffe pas. Donc, comme compresseur ne m'a pas prononcé, je n'ai pas le droit de décrypter l'actualité de la toile. Moi, il veut savoir. C'est comment la marque La Rose. Donc, comme compresseur ne m'a pas prononcé, je n'ai pas le droit de décrypter l'actualité de la toile. Non, je vais décrypter. Je vais décrypter. Comme vous aimez le Soko, vous aimez le Japap. Je vais décrypter. Je suis désolé. Je suis désolé. Quand Flo est parti à la télévision de Lolo, moi, j'ai fait le décryptage. Tout le monde était d'accord. J'ai mis tout le monde d'accord. Les gens aiment mes décryptages. Mes gens attendent mes décryptages. Oui, quand je décrypte contre Flo, ça fait mal aux abeilles, mais ils sont toujours là. C'est comme l'oignon que tu coupes. Hein? Ça entre dans tes yeux, mais tu ne peux pas laisser parce qu'il faut que tu finisses de couper pour préparer. C'est ça. Quand je veux décrypter l'autre blogueuse, là, si ça me plaît, je décrypte. Ok, c'est seulement que j'ai dit que ça ne m'intéresse plus. Ce qui en ressort de là ne m'intéresse plus.
Ok, je choisis les gens sur Facebook que je peux décrypter leur live. Je ne suis plus dans les guerres avec les gens. Je ne suis plus dans les problèmes avec les gens. Ok? On a fait des guerres. J'ai fait les guerres ici avec Flo Deli. Mais je me suis appelé avec Flo, on s'est expliqué. Flo m'a dit que Doka, je n'ai aucun problème avec toi. Tes guerres sumées avec les autres ne me concernent en rien. Toi et moi, on n'a pas de problème. J'ai aussi dit à Flo, Flo, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on n'a pas de problème. Tant que Flo ne m'a pas provoqué, je n'ai pas à provoquer Flo. Chacun dans son couloir. Ok? Déjà que nous sommes déjà les vieilles peaux. Le clash fatigue. Ça fatigue. Ok? Ça fait même que les gens ont les rides sur Facebook. Les gens portent les âges même qu'ils ne devaient pas porter à cause de Facebook, à cause des clashs de Facebook. Donc, quand les gens disent qu'ils veulent sortir, moi, je clash, je ne clash pas, je ne manque pas mes vues. Quand je fais un live le lendemain, je ne manque pas minimum 15 000 personnes qui ont vu mon live. 15 000 vues. Allez voir ma page. J'ai quand même mes vues. Sans clasher. Donc, on peut faire le blogging sans clasher et avoir toujours les vues. On peut faire le blogging sans clasher et avoir les vues. Et je crois même qu'on profiterait mieux même à ne même pas faire les clashs et unir tout le monde sur Facebook que de faire les clashs et perdre certains gens, garder certains gens. Non. Je crois qu'on gagnerait mieux à ne même pas faire les clashs. On gagnerait mieux à être avec tout le monde. Regardez un peu la politique que Flor de Lille a adoptée. Que non, elle a compris. Après son premier événement, elle a eu 400, je crois que c'était 400 places. Flo a eu des difficultés à remplir la salle. Pourquoi? Parce qu'elle avait tellement de détracteurs. Elle avait tellement de gens qu'elle avait à dos. Après, elle a compris en vrai Bamleke que non, je suis une businesswoman. Je suis une femme d'affaires. Et en tant que femme d'affaires, je dois être bien avec tout le monde. Est-ce que la guerre me rapporte quoi? Et je connais ces gens-là d'où. On se connaît même pas. On c'est virtuel. C'est les relations virtuelles. Ça sert à quoi de faire les guerres? Elle a décidé de faire la paix avec toutes ses consoeurs. Aujourd'hui, voilà une place, une salle de près de 4000 places qu'elle est déjà à guichet fermé. Alors que l'année dernière, à pareil moment, 400 places, Flor de Lille se battait encore. Flor de Lille se battait encore. Maintenant, regardez, elle a pris une salle trois fois plus que ce qu'elle a fait l'année dernière. Actuellement, Flo a guichet fermé. La paix est bien ou ce n'est pas bien? On conclut que la paix est bien. On conclut que la paix est bien. Ok? On conclut que la paix est bien. Et cette année, vous voyez, elle fait sa promotion sans qu'on ne lui jette les peaux de banane. L'année dernière, Flore a vu le voirâtre dans nos mains. Oui, on était en tas comme ça sur elle. On était en tas. Jusqu'à Flore pleurer en direct. Est-ce qu'elle avait besoin de ça? Non. Mais aujourd'hui, elle est tranquille. Elle fait sa promotion. Elle avance doucement. Et là, voilà, elle a guichet fermé actuellement. Qui gagne? C'est elle qui gagne. C'est une femme d'affaires. Hein? C'est une femme d'affaires. Elle est et les Bamleke, vous sur le sens de vos vannes. Non, quand tu fais les affaires, ok? Quand tu fais les affaires, tu gagnerais mieux à avoir tout le monde avec toi. Donc, à 200 personnes connectées, moi, je vais parler à ma consoeur compresseur, ok? Je ne vais même pas parler, c'est même pas à compresseur que je vais parler parce que jusqu'ici, compresseur n'a pas fait un live, il ne m'a pas offensé. Je n'ai pas de raison de l'offenser également. Moi, j'ai fait un live hier où j'ai fait un décryptage, ok? Et mon décryptage, c'était que dans l'affaire Tatiana, elle n'a pas raison. Et je le répète, elle n'a pas raison. Ce qu'elle a fait là, on ne fait pas ça à une amie. C'est à cause de choses comme ça là que Compresso a fait là qu'aujourd'hui, on gère les amis qu'au carrefour. On gère les amis au carrefour de nos jours. Ça cause des cas comme compresseur là. Que tu ne veux même plus amener une amie dans ta maison. Qu'une amie dit que non, je veux venir à la maison. J'invite ton mari. Tu refuses. C'est des choses comme ça là. On doit lui dire la vérité. On doit lui dire la vérité. C'est vrai que ça fait mal. C'est choquant, mais on doit lui dire la vérité. Elle a fait un mauvais casting.
Quand vous dites que vous salissez compresseur, Marie-Laure, quand tu dis qu'on salit compresseur, moi je ne suis pas là pour salir compresseur, non. Mais c'est vrai que la vérité l'a fait mal, Marie-Laure et Songo. La vérité l'a fait mal, mais elle est la vérité là. La vérité là. La vérité est comme les fesses qu'est. Quand tu te mets debout, après tu es obligé d'utiliser les mêmes fesses pour t'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir avec ton ventre. C'est avec les fesses là que tu vas t'asseoir. Elle a mal fait. Marie-Laure et Songo, ça avait été toi, c'est que tu ne tiens pas ce langage. Si une amie te fait ce que Compresso a fait à Tatiana, tu vas être contente, ma soeur. Tu vas être contente. Tu vas pas être contente. C'est pas parce que ça ne te touche pas que tu vas acclamer. Aujourd'hui, c'est Tatiana. Demain, ça sera qui? Hein? Aujourd'hui, c'est Tatiana. Demain, ça va être qui? Moi, je pose la question. Ce que Compresso a fait. Si à elle-même Compresso, quelqu'un lui fait ça, elle ne peut pas accepter. Elle a mal fait, on ne fait pas ça à une amie. On va vous dire ça aujourd'hui. On va vous dire ça demain. On va vous dire ça après-demain. Je suis venue répéter encore à la TKC que votre patronne a mal fait. On n'arrache pas le mari de sa camarade. C'est sale. Quand tu arraches même, tu rases les murs. Tu ne la nagues pas. Tu ne l'insultes pas. Tu ne la dénigres pas. Tu ne donnes pas ces vidéos à la vieille peau de Tchamaleu de publier. Tu ne fais pas ça. Tu ne sais pas ça. Je viens encore dire au TKC que le karma existe. Le karma existe. Le karma ne fait pas ça. On n'interdit pas aux femmes de prendre les hommes mariés. Mais quand tu prends un homme marié, rase les murs. C'est simple comme bonjour. Rase les murs. Arrête de narguer la femme que tu es en train d'arracher son mari. Pour qui même? Les têtes cassées. Vous avez qui comme ça pour père? Un repasseur. Vous vantez même qui, non? Vous bagarrez même pour qui, même les têtes cassées, vous-même. À un moment donné, vous avez seulement tous la bouillie dans vos cerveaux là-bas, dans votre team là. Il n'y a personne qui peut tirer les oreilles de l'autre. Donc même l'entourage de Sandra Mimbang là ne peut pas dire que non, notre patron a Chandem. Donc il n'y a personne dans votre team là. Lisette Akoudou. Moi, Jean, tu veux me dire que quoi? Que ce que ce compresseur a fait là, on peut applaudir ça, moi, Jean. C'est ce que tu veux me dire. Alizette, c'est ce que tu veux me dire. Qu'on peut applaudir. Ayez peur de Dieu. Ayez honte parfois. Il y a des choses dans la vie qui font honte. Au swan. C'est le swan. C'est le swan. Un gros au swan. Parce que tu peux arracher même un gars qu'il ne vaut même pas la peine. Regarde le gars même qui aime Zane Thierry, Alizette Akoudou, Zane Thierry, Thierry Aneza. Il vous souille. Il vous souille. Il frappe sur votre patronne. Et vous venez cautionner ça en public. Vous venez cautionner quoi? Il y a des choses que quand ça sort à Mondovision, le jour que ça va sortir, c'est que Dorcas a arraché le mari de quelqu'un. Maman, je m'assois sur ça. On ne va sentir personne. Je m'assois sur ça comme ça. Je ne laisse pas que ça sorte. Je vais m'asseoir sur ça. Oh, ah. Il y a des choses, surtout quand tu es leader d'une team. Tu dois être l'exemple. Tu dois être l'exemple. On va prendre l'exemple de Flore ici là. Quand on a dit que Flore est l'élé, elle n'a jamais accepté. Voilà quand on dit que quelqu'un a quand même connaît ce qu'on appelle la honte. Quelqu'un connaît quand même ce qu'on appelle, elle pense quand même à sa petite, à sa famille. Flo n'a jamais accepté, même si on coupe sa tête, elle n'a jamais accepté. J'ai dit, même si on coupe la tête de Flo comme ça, Flo n'accepte pas. J'ai dit, on pourrait même pas dire que tu as arraché le mari de Thierry. Tu nies, même si Thierry est dans ta maison, tu nies.
Tu n'y que jamais passer les choses de la honte. Vous avez compris. La tête cassée, c'est les gros caca qui sont en train de vous sentir. Même si on explique ça, expliquez ça à vos pasteurs. Vous avez les pasteurs dans votre team. Vous avez les évêques dans votre team. Vous avez les monseigneurs dans votre team. Allez vous asseoir, expliquez à monseigneur, à votre évêque, à vos bonbons là que on a arraché le mari de quelqu'un. Quelles sont les conséquences? Que vos bonbons et vos pasteurs vous expliquent. Arrêtez de venir vous acharner sur le petit décryptage que j'ai fait. Vous avez déjà fait les caricatures sur moi partout. Vous avez déjà fait les posts sur moi partout. Je vois une fausse page qu'on appelle Mandong Japap. Je vais interpeller la TKC ici là. Mes pages Mandong Japap, ce sont mes photos qui sont là. Il y a une page Mandong Japap qui fait souvent le sale et se fait passer pour moi. Ce n'est jamais moi. Ok? Et son Mandong ne s'écrit pas comme mon Mandong. Je vais fouiller cette page, cette peste-là qui se fait passer pour moi. Et qu'elle pose, il paraît qu'on dit qu'elle a fait un post là où elle est en train d'insulter le ventre de Perpétue. Je ne fais pas dans ce genre de choses. Même quand j'ai eu n'importe quel genre de clash avec une personne, je ne m'attaque jamais et je ne m'attaquerai jamais à l'état de santé d'une personne. Jamais, pour ne pas dire le ventre d'une femme. Parce que je ne sais pas ce que mes enfants seront de... J'ai les neveux, j'ai les nièces, j'ai les enfants que j'ai accouchés. Il y a des choses que je ne fais pas dans la vie. Ok? Je ne m'attaque pas au ventre d'une femme. Je ne m'attaque pas aux parents des gens. Je ne m'attaque pas aux enfants des gens. Et puis, je vais vous dire, la page Mandong... Attendez. Mandong Japap. Voilà. Voilà la page en question. Ok? La page en question. On dit que la page a publié. Mais quand je regarde même la page là, les dernières publications de cette page remontent à le 14 septembre. Les dernières publications de cette page remontent le 14 septembre. Et on m'a dit qu'il y a une page de Mandong Japap qui a publié un truc sur compresseur en insultant son ventre. Ce n'est jamais moi, ok? Ce n'est jamais moi. Quand vous voyez les pages Mandong Japap, regardez bien l'orthographe. Mon Mandong s'écrit M-A-D-O-N. L'autre page là, c'est M-A-N-D-O-N. Ma page de Mandong n'a pas N sur ça. Donc je ne veux pas que... Parce qu'on a toujours tendance à me référer à cette page. J'ai dit ici maintes fois que la page là ne m'appartient pas et je ne connais pas qui a cette page? Ok? Si elle veut créer les faux profils, je ne suis pas obligé d'utiliser Mandong Japap pour créer les faux profils. Il y a tellement de... Oui? C'est qui? Hein? C'est qui? Les gens qui viennent beau, bah, vraiment, hein? Seigneur, ça c'est quoi ça encore? Donc, c'est ça que moi, je suis en train de vous dire que moi, les pseudo-pages, ok? Les pseudo-pages Mbrakata. Je n'ai pas besoin de créer une fausse page pour dire à compresseur ce que je pense. Je n'ai pas besoin de créer une... D'abord, je suis sur Facebook depuis et Compression me connaît suffisamment pour connaître ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Bonsoir, ma fille. Bonsoir. C'est comment, non? Comme hier, tu ne nous as pas vu, tu as vu, on t'a abandonné.
Ah, c'est la vie, non? C'est qu'on n'était pas là. On est sorti quand même. C'est bon. Ça va, je suis là. Tu bois une bière. Tu veux quel goût? Il y a la cage. Il y a la dopen. Il y a la Isenbeck. Il y a la Guinness. Comment avec mon chargeur et mon téléphone, tu as? Je ne sais pas. Hein. Tu as un chargeur quand même. Excuse-moi, pardon. Chargeur fantôme. Non. Android. Je ne sais pas, je vais seulement chercher. Ça me dérange. C'est comme ça, les gars là sont comme ça là. Je vais lui donner l'argent. Moi, je veux. Tu dis? Laisse même la pierre. Laisse. Parce que je ne veux pas avoir les problèmes avec toi. Pour? Pour le paiement. Ok. Oui, je ne veux pas avoir les problèmes. C'est comme ça, mon téléphone est éteint depuis que je suis avec lui. Je suis avec le vieux. Le père est là. Ils sont là. Okay. Ils ont creusé ton truc. Ah, mon frère, c'est là. Une personne qui va entrer. Pose la bosse. Donc, comme j'étais en train de vous dire, ok? Je ne connais pas cette page. Je ne connais pas qui est propriétaire de cette page. Et puis, je ne veux pas qu'on m'associe à cette page. Si moi, je veux parler à Compressor. Allô? Hey, wonderful. Si je veux parler à Compressor, ok, je n'ai pas besoin de dire que je vais venir sur Facebook raconter, aller créer les faux propos pour lui parler de Compressor. Mais ce que je déplore, Victorine, tu ris quoi? C'est Facebook, c'est Meta. On va voir de toutes les couleurs sur Facebook. Donc, oui, c'est les têtes cassées, non? C'est les têtes cassées, mes gens. Hein? Ouais, Seigneur. Ce sont les têtes cassées. Ça va aller. Finissez de rire, allons continuer le live. Vous riez. C'est les têtes cassées. Ce sont plutôt certains commentaires qui attirent l'attention et poussent certains à insulter. Bibiche Ouattara. C'est ça que je suis en train de vous dire que vous me déconcentrez avec vos rires bêtes là. Oui, Facebook ne bloque pas comme TikTok. Oui, je l'ai directement bloqué. Oui, jusqu'à Fanabi, tu as même vu que c'est vraiment de Dieu. Donc, tu as même prêté attention. Bah. Et c'est tout ce que tu as trouvé comme exemple. Vous me déconcentrez avec vos rires. C'est ça que je suis en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Franchement, les têtes cassées, vous avez un gros caca qui est en train de sentir vos mains. Et c'est votre patronat qui a mis ça sur vous. Je suis désolé. Je ne suis pas dans le suivisme. On doit se dire la vérité. La vérité, c'est qu'elle était cassée. Votre patronne a tort. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Je vais vous dire ça demain. Elle n'a pas raison. Tatiana, c'était sa copine. Elle a trahi Tatiana. Elle a trahi Tatiana. On ne fait pas ça à une amie. Une personne qui est son amie, on ne fait pas ça à son amie. Elle a trahi quand Tatiana était au sol. Quand Tatiana, c'est le temps cassé, c'est le travail. C'est eux qui sont venus gâter le live comme ça. Et j'ai vu, Perpétu, tu as envoyé la vidéo de Tatiana à Tchamale de poster. Et Tchamale a pris, elle a mis dans sa page. On m'a appelé, on m'a dit que Tchamale a mis une vidéo
de cette fille-là où elle est dans l'hôtel. Où elle est à l'hôtel, où elle est où? Avec un gars. Je ne sais pas avec qui elle est où. Où ça va tirer. Ouais, Victoria. Elle a posté dans sa page et je dénonce cela avec la dernière énergie. Je dénonce ce genre d'acte. Parfois, quand je reste, j'ai mal. Vous savez pourquoi j'ai mal? Parce que je me demande que j'ai fait comment pour ne pas voir cette fille, pour ne pas voir ce côté sombre d'elle, pour ne pas voir ce côté méchant, ce côté démoniaque. Parfois je me demande que j'ai fait comment pour ne pas voir ça, et j'ai les larmes quand je coule sa part dans mon ventre, quand je pense que j'ai fabriqué un monstre sur Facebook. Moi j'ai fait les clashs là où on s'est insulté, on s'est tout dit, mais j'ai eu des limites dans mes clashs. J'ai eu des limites. Je n'ai jamais pris la nudité de quelqu'un pour faire de ça mon arme de combat. J'ai fabriqué un monstre que quand elle veut s'attaquer aux enfants, elle n'a pas de remords. Quand elle veut s'attaquer aux gens, elle n'a pas de limites. N'a pas de vie. Quand je pense que c'est moi qui ai fabriqué ce monstre-là, j'ai mal. Je vous dis que je n'ai pas mal. J'ai mal. Avant de vous associer, il y a des gens qui ont des problèmes psychologiques ici. Hein? Il y a des gens qui ont des sérieux problèmes psychologiques. Qui marchent avec des traumatismes dans leur vie. Qui marchent avec la frustration dans leur vie, prêts à détruire, prêts à verser leur venin. Prêts à verser leur venin. Je crois que c'est le cas. C'est le cas de cette fille. Elle veut verser son venin sur tout le monde. Elle n'a pas de limite. C'est décevant, hein? Ça fait mal. Je n'avais jamais pensé que je devais fabriquer un monstre comme ça sur Facebook. Je n'avais jamais pensé. Ça fait que j'ai même peur. Quand les gens même écrivent en offre, oh, machin, machin. J'ai peur. J'ai peur. Quand vous dites que j'ai juste vu le soutien financier. Oui, quelqu'un peut te faire un don. Mais quel soutien financier que je vais rester comme ça, veut dire que la fille m'a donné. Est-ce qu'elle peut sortir 1000 dollars qu'elle a dit que oui, comme soutien financier, elle m'a donné 1000 dollars. Est-ce que tout ce que cette fille, qu'elle totalise tout ce qu'elle a pu me donner avec les captures d'écran, si ça va atteindre 1000? Ou quoi, ce qu'on dit que quelqu'un a le soutien financier? Vous parlez de quoi? Quand vous voyez ma vie aujourd'hui là, j'ai besoin, c'est donner à n'importe qui de venir au Cameroun, de faire plus d'un an et vivre, garder le même standard de vie, c'est donné. Il y a combien d'entre vous qui peuvent venir au Cameroun, faire 2 mois seulement? Il y a combien? Je suis à plus d'un an au Cameroun. Et je repars parce que il faut que j'aille ravitailler mes enfants en nourriture, sinon je ne partais même pas.
Quand vous dites soutien financier de quoi? Moi, je veux savoir. J'ai eu... Tu es en train de m'appeler là-bas. J'ai eu le soutien financier que les... Que, mais comment? L'année passée, les publicités seulement, les publicités cette année, c'est que j'ai fait sur ma page, m'ont donné combien. Pourquoi vous dites qu'une pseudo personne m'a tellement... Si elle dit que quelqu'un m'a soutenu sur Meta, Sylvie Mbako. Vous avez compris avec quoi? Si je dis que quelqu'un m'a soutenu sur Meta, avec les étoiles, Sylvie Mbakop, je ne parle pas des soutiens anonymes de ceux qui ne veulent pas être sur Meta. Je veux dire sur Meta, sur Facebook. Si une personne m'a soutenu, Sylvie Mbakop, sans crier sur les toits, sans faire du chantage, sans faire du chant. Sylvie Mbakom m'a aidé sans faire du chantage, sans faire de bruit. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas fait de bruit. Elle ne fait pas de bruit. Elle est dans son coin. Ça avait été cette peste-là, c'est qu'aujourd'hui, là, je ne respire pas. Il y a Victor qui dit que avoue que ça t'arrangeait qu'elle insultait les mamans. Non, on était en guerre. Et je lui avais donné ma cible, était j'étais en guerre avec Lolo. J'étais en guerre avec Ngobapa et la langue de Varan. Voilà les gens avec qui j'étais en guerre. Avec Pasto, Pasteur Mimban. Voilà les gens avec qui, à l'époque, j'étais en guerre. Les autres qu'elle insultait ne me concernaient pas. Elle achetait des problèmes de TKC. On lui a parlé en off. Officiellement, elle travaille pour les TKC. Et c'est pourquoi j'avais dit qu'elle doit dissocier mon nom. Vous ne savez à quel point je suis tellement fière que je me suis désolidarisée de cette fille. C'est que tout le sale que la fille est en train de faire sur Facebook, c'est qu'on m'associe à ça. Merci Seigneur. Je ne veux pas payer le prix fort du mal que quelqu'un d'autre est en train de commettre. Non, je ne veux pas. Voilà une personne qui a un seul enfant unique sur la terre, un seul que Dieu lui a donné, pas deux. Un seul que Dieu lui a donné. Ah, mère. Maman, elle a un seul enfant que Dieu lui a donné sur la terre, un seul. Les jumelles, c'est les enfants de sa petite sœur qui vivent au Canada. C'est les enfants de sa petite sœur. Elle a un seul enfant que Dieu lui a donné. Et elle vient faire autant de mal. Elle ne regarde même pas que j'ai un seul œil. Elle ne regarde pas ça. Ah. Ah. Donc, je peux tout dire de compresseur. Je ne peux jamais m'attaquer aux ventes de compresseur. Donc, si les gens font les pseudo-posts en utilisant mal les comptes mal, donc j'appartiens, ce n'est jamais moi. OK? Vous avez à croire ou vous n'avez pas à croire. Mais Dieu qui est au ciel connaît la vérité. Et Dieu, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne tout. Pour moi, c'est très important. Le reste là des bracata de Facebook là, croyez ce que vous voulez. Mais je veux dire à Compresso que ce n'est pas moi. Ce que je veux dire à Compresso, je mets ma caméra, je te dis ça à Mondo Vision. Ce que je suis à Mondo Vision maintenant, et je suis en train de te dire, c'est ça que moi je dis. Ce que les faux profits pas te créer les pages pour te dire, ce n'est pas moi.
Ce n'est pas moi. Ok? Ce que je suis en train de dire là, c'est qu'on ne vole pas le mari de sa copine. C'est ce que moi, Dorcas, je dis. On ne vole pas le mari de sa copine. Et on l'insulte. On prend ses vidéos. Hein? On envoie à une tierce personne de publier. Tu crois vraiment que si Thierry t'a donné les vidéos de cette fille de publier, compresseur, tu imagines ce que le gars va te faire demain. J'espère que tu ne te laisses pas prendre en photo par lui. Hein? J'espère, oh, compresseur. Tu as tout dit qu'on n'a pas tenu de sur Meta. J'espère que tu n'es pas en train de te laisser prendre en photo par ce gars. J'espère que tu n'es pas en train de laisser que le gars là fasse les vidéos sur toi. Parce que ce qui avait fait clo-clo va faire clac-clac. Ce qui avait fait clo-clo va faire clac-clac. Sois prudente. Fais attention à ce que tu fais. Le dehors n'est pas bien. Le dehors n'est pas bien. Le dehors est mauvais. Tu n'as pas besoin que ton se retrouve sur Facebook quand tu vas finir avec Thierry. Parce que cette relation n'ira nulle part. Parce que c'est une relation trop bourrée de méchanceté et trop de trucs. Donc, du coup, ça va seulement te mettre une relation que tu vas toujours être là en train de faire le proving. Tu vas seulement être là en train de vouloir expliquer aux gens que voilà, 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 voilà toute ta vie. Et tu n'as pas besoin de ça. Donc, cherche-toi pendant qu'il se fait encore temps. Ne laisse pas que quand les rides vont tomber jusqu'à ça touche au sol, c'est là où tu te lèves pour dire que tu vas quitter derrière Thierry. Cette relation ne va pas aboutir. Parce que le départ est trop entaché. Ce n'est pas que je souhaite que ça n'aboutisse pas. Mais vu la façon que vous avez commencé et tout ce qui se passe et le personnage lui-même, ma soeur chérie, ça ne va aller nulle part. Ok? Ça ne va aller nulle part. En ce qui concerne mon général, je te demande d'arrêter de publier la nudité des femmes. On a dénoncé ça ici sur Facebook. Qu'on peut faire nos choses sur Facebook. On peut faire nos clashs sur Facebook. Mais arrête de publier la nudité des femmes sur Facebook. Arrête de t'attaquer aux enfants des gens sur Facebook. Tu sais que toi et moi, on n'a pas clashé, nous. Si tu crois que ce qu'on a fait, c'était au clash, ce n'est pas le clash. Parce que ce que Ngossap est en train de faire avec son ancien général, qu'ils sont en train d'aller dans tous les angles, voilà ce qu'on appelle le clash. C'est moi qui t'ai fabriqué. Je ne vais pas te permettre de publier la nudité des femmes. Je vais m'asseoir et je vais regarder. Je vais me répéter. Je vais répéter ce que j'ai dit. Je dis. C'est moi qui t'ai fabriqué sur Meta. Tu es mon monstre que j'ai fabriqué pour venir insulter les gens matin, midi, soir. Insulte comme tu veux. Mais je dis non à la nudité des femmes. Que tu publies la nudité des femmes. Il paraît que tu as donné les avertissements que tu vas encore publier. Mais je te demande de ne pas le faire. Je te demande de ne pas le faire. D'arrêter de publier la nudité des femmes sur Facebook. C'est un conseil que je te donne. D'arrêter de publier la nudité des femmes sur Meta. C'est important. C'est important. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Arrête de publier la nudité des femmes sur Meta. Parce que je suis en train de rentrer aux États-Unis et j'ai besoin d'un sujet. Je suis en train de rentrer aux États-Unis
J'ai besoin d'un sujet. Et je ne veux pas que tu me donnes l'occasion que je t'utilise comme le sujet pour me faire de l'argent sur Meta. Tu as compris avec quoi? Clash comme tu veux. La nudité des femmes, tu ne vas pas mettre ça sur Meta. La nudité des femmes, tu ne vas pas mettre ça sur Meta. Jamal. Je te parle seulement. Hein. Je te parle. Je te parle. Je te parle seulement. Clash comme tu veux. Clash moi comme tu veux. Clash n'importe qui comme tu veux. Clash Fleur de Lys comme tu veux. Ce n'est pas un nouveau clash. La nudité des gens, on a dit non sur Meta. On a dit non sur Meta. Arrête de publier la nudité des gens sur Meta. Arrête. Tu crois que tu es un King Kong? Tu n'es pas un King Kong. Arrête de publier la nudité des gens sur Meta. J'espère que la team de USA, vous êtes en train de... Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Arrête de publier la nudité des gens sur Meta. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Fleur de Lys était de passage aux États-Unis. Moi, je ne suis pas de passage. Je sais là où je peux te toucher, ça va te faire mal. Arrête de publier la nudité des femmes sur Meta. Même si tu as un faux profil, tu as mal. Arrête de publier la nudité des gens sur Meta. Je t'ai averti combien de fois, tu as mal. Arrête, c'est moi qui t'ai amené sur Facebook. Arrête de publier la nudité d'une femme sur Meta. Je t'ai laissé, c'est parce que je veux. Et parce que j'étais occupé avec mes champs, j'ai le temps. J'ai le temps. Tu crois que tu connais crier? Merde. Donc, selon toi, tu crois que tu fais peur à tout le monde sur Meta, que tu peux te permettre de prendre l'intimité d'une femme et de mettre sur Meta, ça ne va aller nulle part. C'est ça? C'est ça? Ok. Ok. Okay. J'ai dit ok, combien de fois? Trois fois. Arrête de publier les nudités des gens sur Meta. Arrête ça. Arrête de publier la nudité des gens sur Meta. Parce que quand ça va aller très vite entre toi et moi, les Lisa Jossi, les Kikiki là, tous les TKC là, ouais. Je suis en débarque aux États-Unis et quand je barre là, vous savez que quand je rentre là, la monétisation aux États-Unis paye beaucoup. Ne me faites pas utiliser certaines personnes pour chercher mon argent. Et je suis déjà en train de voir une personne, mon ancien général, qu'elle arrête de publier la nudité des gens sur Meta. Qu'elle arrête de publier la nudité des gens sur Meta. Qu'elle arrête tôt aux États-Unis. On connaît Facebook. Qu'elle arrête.
Allô? Oui. Mon frère est parti, non, il n'y avait pas quelqu'un pour l'aider. On a cherché, 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 on n'a pas vu. On a cherché, cherché, on n'a pas vu. Ton petit là sera là demain. Il peut venir demain. Comme ça, il lui fait revenir. Ok, cause avec lui, tu me fais signe. Hein? Même si tu as un faux profil, arrête de publier les nudes des gens. Arrête de publier les nudes des gens. Les esprits, les baby galères, cela comme ça. Arrête de publier les nudes des gens. Personne ne peut. Comment? Arrête de publier les nudes des gens sur Meta. Il faut arrêter. Ce n'est pas bien. Il faut avoir des limites dans la vie. Avoir des limites. Mais si tu n'as pas de limites, continue. C'est tout ce que je voulais te dire. Si tu n'as pas de limites, continue, ne t'arrête pas. Continue, ne t'arrête pas. Continue. Lisa Joe, est-ce que j'ai un problème avec compresseur? J'ai quel problème avec elle? Est-ce que j'ai clashé compresseur? Pourquoi vous êtes comme ça? Je suis venu dire que ce n'est pas normal que tu es avec ta copine, tu prends son gars. C'est pourquoi c'est compliqué. La guerre est en train de durer sur Facebook depuis qu'elle est en train de s'insulter avec sa copine. Est-ce que j'ai parlé? Non. Mais j'ai le droit quand même de venir donner mon avis. La mère des beaux gosses, Angie Gemanve. J'ai le droit de venir donner mon avis, Lisa. Est-ce que c'est bien? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, Sam Vine. Ce n'est pas bien. Oh! Apprenez à accepter la vérité. C'est comme ça que quand je parle aussi, les abeilles ne sont pas d'accord. Ils vont m'insulter. Bon, insultez-moi, le problème fini. Mange. Margot, Angie ouais, Gemanve. ça va. C'est-à-dire que ton sujet là me fait rigoler parce qu'elle-même, elle voit la lecture de l'heure avec le gars. Tu n'as pas vu les coupures de vidéo où on dit que où est le gars de manipulateur? C'est ça. Elle-même, elle lit la lecture de l'heure. Tu comprends un peu, non? Est-ce qu'elle Parfois, a c'est même besoin de ça, laisser maman? quelqu'un Elle a besoin de ça, maman. faire ça dans la vie. C'est-à-dire que quand tu convoites les choses que tu ne connais pas, voilà Belle Bijoux qui nous a dit qu'elle est millionnaire, sa maison a coûté 1 million d'euros. 1 instant, un moment. Excusez-moi. Demandez-moi des rêves sur Facebook, non? Lisa! Oui, madame Casse, bonjour. 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 Comment tu vas, Voilà. ma chérie? Voilà. Mais moi, je n'ai pas un problème. Bon, enfin, moi, en tant que TKC, je n'ai pas un problème avec toi. En fait, c'était juste pour comprendre. Et on n'a pas dit non plus que tu n'as pas un avis à donner. Tu as donné ton avis, on a compris. Mais ce que moi, personnellement, je ne comprends pas, en fait, c'était en quelque sorte, ton avis était une prise de position, en fait. Genre, Diamant Bleu, elle a tort. Mais entre-temps, on sait très bien qu'ils n'ont jamais été à quel moment, parce que Diamant Bleu le dit, à quel moment ils ont été copines. Ce n'est pas parce que tu Donc, parles avec elle n'a quelqu'un. jamais été copine avec Tatiana, Lisa. Oui. Elles n'ont jamais été copines. Je veux des preuves Donc, parce que c'est que les ça copines, ils change ont des au trucs débat. ensemble. C'est que ça change au débat. C'est que je retire mes paroles. Je croyais que c'était les copines. Elles n'ont jamais été Mais copines.
Ils n'ont jamais été copines. Ça a été dit et redit. Donc, c'est à sa personne de nous. Parce que moi, si je parle de ma copine, Mme Dorcas, madame, excusez-moi, je m'adresse à Mme Dorcas. Je n'ai rien à voir. Je vous ai pas adressé la parole. Je ne m'adresse pas à ce que vous êtes venu dire. Ne vous intéressez pas non plus à ce que je suis en train de dire. Voilà. C'est aussi clair. Donc, du coup, ce que je disais, que c'est attentionné de nous prouver. Parce que moi, si je parle d'une amie à moi, moi, j'ai des preuves. Je montre que voilà, on a fait ça ensemble, on était comme ça. On ne parle pas d'amis, on parle d'amis, pas de connaissances. Elle parle d'une amie. Qu'elle nous prouve les preuves, qu'elle nous donne les preuves qu'elles étaient amies. Où sont ces preuves? Il n'y en a pas. Madorcas, mais il n'y en a pas. Mais je comprenais quand même que la fille, qu'on peut se préparer souvent pour... c'était les couples amis. En fait... Thierry, c'est pas ta Compresseur n'a pas connu Tatiana ensuite Thierry. Non, c'est le contraire. C'est Il a d'abord connu Compresseur. Non, Compresseur se connaissait avec Thierry. Ensuite, c'est Thierry qui fait le jeu, qui emmène Compresseur vers l'autre. Ils sont pas amis. Ah bon? Oui, mais que cette copine vienne m'arracher. J'ai aucune copine ne peut m'arracher mon copain, en fait, ou mon mari. C'est pas possible. Elle va passer par où? Luna se renvoie. Moi, je croyais que c'est moi, franchement. Moi, je croyais que c'était des bonnes copines. Moi, je ne savais pas que ce n'était pas... Tatiana, même elle a redit ce matin qu'elle n'avait qu'à montrer une seule preuve que non, pendant qu'on était amis, on a fait ça. Ça n'existe pas. C'est Thierry qui les a présentées. Donc, Thierry, il est le centre des deux. Et jusqu'à maintenant, il est toujours le centre. Ils n'ont jamais commencé leur amitié, machin et tout. Et puis, elle a vu Thierry chez Tatiana. C'est pas ça. C'est Thierry. C'est Thierry qui fait la connaissance des deux. Donc, vas-y, comprendre. Je vais te poser une question, Marco. Oui, madame. Tu trouves que Thierry, là, c'est un bon gars pour comprendre. Madame Cass, je comprends ta question. Je ne suis pas. Attends, ça vient, là, il y a le bruit chez toi. Je ne sais pas si c'est la télé ou si c'est toi. Attends, j'enlève le... Je me mute. Lisa, vraiment, est-ce que tu peux... Donc, tu approuves la relation, tu approuves ce Thierry dans la vie de Compresseur. Si tu aimes Compresseur, c'est un monsieur que tu approuves dans sa vie là-bas. Madorcas, je comprends ta question, Madorcas. Et je peux te répondre en disant que lorsqu'il s'agit... comme on le dit vulgairement sur Facebook, d'un sans-papillon, personne, ni le père ni la mère, ne peut donner un avis. C'est juste... Mais si c'était ta soeur que tu avais à conseiller. Si c'était ma soeur que j'avais à conseiller, je ne regarderais pas ce que l'homme fait. Si ma soeur, ça dépend de ce que ma soeur me présente. Si elle se sent heureuse, je la laisse continuer. Voilà. Tu as vu les vidéos? Tu as vu les vidéos là où le gars a mis le fer à repasser sur son corps. Si c'est ta soeur, tu vas dire quoi, ta soeur? Fer à repasser, je veux avoir la preuve. Parce que s'il y a des photos, toute photo peut circuler. Qui a dit que c'était le fer à repasser? Que la personne nous montre la preuve que non. Voilà, j'ai fait la vidéo. Voilà comment il repassait. Moi, je ne peux pas croire. Donc, il n'y a pas de preuve que c'était un fer à repasser. Madorcas, voilà. Pourquoi je le dis? Donc, je te donne le crédit sur ça. C'est parole contre parole. La personne dit ce n'est pas le faire, l'autre dit c'est le faire. Pourquoi je dois croire à celui qui dit le faire? Mais quand la personne est en danger de nos jours, c'est mieux de lui conseiller. Mon téléphone est déchargé. Madon, mon téléphone est déchargé. Cette fille raconte les bêtises. On a vu Compresseur, c'est la fille là. Tu as compris, non? On a vu Compresseur, lis les commentaires. On a vu Compresseur que la fille a organisé l'anniversaire du gars là. Vous n'avez rien à me dire. Vous me coupez. Moi, dans mon téléphone, je vais rentrer. Fichez-moi le camp. Je n'ai rien à foutre de ce que vous dites. Ça ne m'intéresse pas. Madame, excusez-moi pour le désagrément sur votre direct. Je suis venue pour parler avec vous. Je n'ai aucun problème. Je ne suis pas montée pour parler d'une autre personne. Je parle qu'avec vous. On se parle.
on ne se manque pas de respect, c'est tout. Maintenant, la personne qui veut venir me manquer de respect, je lui manque de respect. Et ça ne chauffe pas. Bon, si elle n'était pas amie avec Compressor, c'est que ça change le débat. Moi, je croyais que c'était des bons amis. Donc, c'est qu'il n'y a pas de procès à faire à Compressor si elle n'était pas des amis. Moi, j'ai toujours cru que c'était des bonnes amies. Bah, mais si ce n'était pas des amis, c'est que je n'ai pas de procès à lui faire. Elle insiste que c'était des amis, mais voilà. L'autre dit, si on était amis, prouve-moi qu'on était amis. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire ensemble en tant qu'amis? Parce que amis, c'est un peu trop dit. Certainement, moi, je me dis, je me mets aussi à sa place. Hein. Peut-être, ils se sont connus, ça c'est sûr. Il y a eu des présentations, il y a eu des trucs avec Thierry et elle et Diamant Bleu, certainement. Mais il faut qu'elle sache utiliser aussi les termes. Il ne faut pas utiliser les termes pour manipuler les gens, en fait. Ami, c'est trop dit. Pour moi, ami, c'est trop dit. Donc, c'est une relation que tu approuves, c'est ça? Mais tant qu'elle est heureuse, tant qu'elle nous a rien dit, tant que ben, avec Achille. Donc tu trouves qu'elle est heureuse là-bas, Lisa, vrai, vrai. Comme bébé là, tu trouves qu'elle est heureuse là-bas. Je trouve qu'elle est heureuse, certainement, parce que je ne la vois pas déprimée, je ne la vois pas. Avec Achille, elle était sous le pont, elle est logée, son enfant part à l'école, elle l'accompagne, on la voit dans sa maison. Est-ce que pendant un live, on a vu, je ne sais pas qui est arrivé pour dire que oui, vous n'avez pas encore payé la maison. Tant que tout ça, là, ça va, je ne sais pas quel genre de joie ou je ne sais pas, le bonheur, c'est quoi dans une relation? Même nous, moi, je suis dans un foyer. Vous pensez que, Mador, quand tu es dans un foyer, vous pensez que tous les jours, on est heureux dans un foyer? Mador, d'autres personnes peuvent réagir et puis partir. Oui, okay. Francine, attends, il y a un autre qui est entré avant toi. Madame, je termine. Hein. Bon, je vous laisse. Attendez, Lisa chute, pardon. Lisa chute alors. Voilà, donc moi, c'était juste pour dire que dans un foyer, il y a des hauts et des bas. Pour Compressor, ça sort trop parce qu'elle est publique. Parce que c'est une personnalité publique, voilà pourquoi ça sort. Mais sinon, moi, personnellement, qui vous parle, je suis en couple. Mais moi, je vous jure que ce n'est pas la rose tous les jours. Il y a des hauts et des bas. Ah, voilà. Oui. Et personne ne le sait. Donc, du coup, si on va juger que selon les hauts, mais ils ont aussi des bons moments, il faut aussi voir ça. C'est une relation humaine. C'est tout, hein. Donc, moi, c'était tout. Et voilà, je... Merci de m'avoir reçu dans ton direct. Et merci d'être passé. Okay. Merci. Ce n'est pas une flash. On veut juste sensibiliser. Ce n'est pas une flash, exactement. Voilà. Ok. Merci à vous. Au revoir. Merci à toi. Bonjour. Oui, bonjour, ma belle. Bonjour, ma Dorcas. Bonjour, maman. Comment tu vas? Ça va. Je voulais rajouter. En fait, je voulais ramener une précision par rapport à ce que c'est la dame qui vient d'intervenir. Ouais. Disait que Compressor n'était pas ami à Tatiana. Si quelqu'un n'est pas ton ami, Madorcas, est-ce que tu peux organiser l'anniversaire surprise de ton mari? Et c'est avec elle que tu organises ça, et c'est jusqu'à ce que c'est à elle que tu confies la charge d'aller ramener ton gars qui est ton mari dans la salle pour l'anniversaire. Mais Madoka, je n'ai pas envie d'entrer dans les... Bonjour. Il ne faut pas qu'on entre dans les détails de midi à 14h pour aller citer tout ce que la dame est en train de citer là maintenant, que oh, c'était monté. On ne peut pas entrer. Prenons juste le seul point là que tout le monde a vu. S'il y a encore les vidéos qui circulent sur les réseaux. Comment c'est à elle qu'elle a confié la chose jusqu'à ce que tu es parti chez. Si tu fais une organisation aujourd'hui et que la personne à qui tu peux confier d'aller ramener ton mari là, ce n'est pas quelqu'un de confiance qui est comme une amie, une confidente et tout. Ouais. Hein? Pour ton mari, surtout son anniversaire, c'est ton ami vraiment proche que tu vas organiser avec. Mais voilà. S'il y a eu un anniversaire comme ça, quand même, c'est que c'était des amis. Tu ne peux pas prendre quelqu'un qui est un passant. Qui est un passant qui n'est rien pour vous, que tu ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève pour dire que c'est elle qui ramène ton mari dans la salle. Ok, et Francine, tu as la parole. Bonsoir, Mado. Tu peux descendre, non? Bonsoir, Mado. Oui, bonsoir.
Francine, comment tu vas, maman? Je vais bien, maman. Moi, je suis dépassée quand Lisa monte et elle veut nous expliquer jusqu'à vouloir nous convaincre que Compressor et Tatiana n'étaient pas les amis. Certes, elles n'étaient pas les amis. Le plus important ici, là, même, ce n'est même pas le mot amitié. C'est la façon dont le gars de Tatiana se retrouve le gars de Compressor. Mm-hmm. Vu que c'est même plus sale, parce que ami, même, on peut même dire qu'on tolère. Parce que le gars est venu présenter à Tatiana que voici ma bique ici, là. Elle a les problèmes. On va la loger. Tatiana aurait pu être une méchante fille. Elle n'allait pas accepter d'être. Ils vont loger Compressor chez eux. Dans leur maison, ils avaient une maison à eux qu'ils louaient comme ça là à côté. C'est là-bas qu'ils ont logé Compressor. Et donc, Compressor, chaque fois, elle faisait à manger. Tatiana venait là-bas et elle prenait la nourriture, rentrait dedans à son gars. De même, son gars aussi venait manger là-bas. Selon ce qu'on a entendu sur la toile, de la bouche même de Compressor même. Ce n'est pas de la bouche de quelqu'un d'autre, de Compressor même. Donc, c'est genre, Tatiana sait que non, c'est la grande sœur de mon gars qui est là. Et c'est même là-bas qu'elle partait faire les confidences là-bas. Tout le temps, genre. La tu vois, genre, tu as des petits. Ton gars, elle ne savait pas que Compressor et Bassa et son mari et Betty. Maman, on dit toujours les grandes sœurs, grands frères comme ça, non. C'est toujours comme ça. Donc, chaque fois, elle se disait que bon, c'est quelqu'un de confiance, c'est la personne de son gars. C'est là-bas qu'elle partait confier ses secrets. Même quand, je ne peux pas dire que je sais si elle vend le piment, même quand elle partait dans sa vente de trucs, elle se confiait à la grande sœur de son gars. Et que son gars aille, et que la grande sœur, soi-disant de son gars, aille derrière prendre son gars maintenant. On veut nous expliquer que quoi? Jusqu'à Lise a dit que dans tous les couples, il y a les problèmes. C'était son mari. Elle n'avait pas le mari qui était Achille, qu'Achille les a trouvés sur le lit, et elle a envoyé Achille à mer pendant où c'est combien de mois? Toujours par rapport à Thierry, qui avait déjà une autre copine. Donc, on veut nous faire comprendre que non, c'est une bonne chose, quoi. Elle n'a rien fait. Aujourd'hui, c'est quand je vois aujourd'hui, elle-même, elle veut expliquer des choses. C'est pas normal, c'est pas bien. Elle a vaillé là-bas. Elle doit accepter qu'elle a vaillé. Copine ou pas copine, elle a vaillé. Parce que c'était la copine. Elle savait qui était la copine de Thierry. Donc, déjà, tu marches avec, vous êtes trois, vous sortez à trois. Tu fricotes avec le mari de ta copine, bon, comme le mot copine dérange, de celle de la femme de ton petit frère, elle n'est pas au courant. Donc, c'était une bonne chose, en fait. Mm-hmm. Et on nous a même aussi appris toujours sur la même toile-ci que elle a, c'est comme ça qu'elle a pris aussi Achille à la maman de Aïcha Kamouas. Ah! Oui. C'est toujours sur la même toile-ci. La maman de Aïcha, elle faisait la réunion avec la maman de Aïcha Kamouas. Elle voit les. Achille était d'abord le gars de la maman de Aïcha Kamouas. Ouais, c'est ce qu'on nous a appris ici, là, sur la toile. Maman, le Soko, c'est loué. Hein. Est-ce Aïcha au courant? Mamie Soko, comment tu vas parler pour les autres? C'est un loup, Soko, que tu es venu verser là. Hein. Non, mais ça, Achille était d'abord le gars de la maman d'Aïcha Kamouas. Ça, c'est une histoire depuis fort longtemps. Voilà, moi, tu vois que c'est connu. Moi, c'est dernièrement que j'ai toujours suivi ça sur la toile. Oui, c'est vrai. C'est une histoire depuis fort longtemps, avant qu'elle ne se mette même avec. C'est longtemps. Attends, le moment d'Aïcha, comme moi, se marque qu'elle a juste qu'elle sort Thierry. Elle sort Achille. Ça, c'est Achille que tu connais. Oui, Achille que tu connais. Elle vendait les. Elle avait les jolis sacs à main à la réunion. Donc, c'est comme ça qu'elle demande le sac. Elle dit que non, je vais te donner la personne qui me livre les sacs. Donc, elle vous donnait le contact de son gars, sachant que elle a peut-être trouvé le client, une nouvelle cliente à son gars. Elle va aller acheter les sacs à Achille. La fille est arrivée, elle a pris seulement Achille. Ça, on a appris ça ici. Là, je ne peux pas dire si c'est vrai ou pas. C'est toujours comme ça qu'on a appris. Donc, pour dire que, pour ne pas s'éloigner de ton sujet. C'est Mémé Kaptcha qui a dit ça dans oui, dans elle avait cité les noms. Elle a dit qu'elle. Que elle... Oui. Donc, pour ne pas s'éloigner de ton sujet, Madoka. Je suis en live. Amitié,
Amitié ou pas amitié, ce que Compresseur a fait à Tatiana, c'est répréhensible. Nous toutes, nous sommes des femmes. On n'accepterait pas ça. Tu ne peux pas aider une femme qui est sous le pont et demain, elle se sert de ton mari. Non, on ne peut pas accepter ça. Jusqu'à on va vouloir, pour justifier la bêtise, on dit qu'elles n'étaient pas amies. Même si elles n'étaient pas amies, mais on l'a présenté quand même là qu'on doit l'aider. On te prend pour t'aider, tu viens, tu prends, tu sors avec le mari de quelqu'un. Comme les gens disent qu'on ne vole pas le mari d'une personne là. Mais quand même, si elle a, c'est elle qui dit qu'elle a, elle a la dignité, elle a la personnalité. Ça, ce n'est pas le comportement de quelqu'un qui a de la personnalité. Quand on a de la personnalité, on ne descend pas si bas. Et aujourd'hui, tu viens, tu veux commencer à mettre. C'est ça que tu brandis comme trophée depuis quelque temps sur la toile. Thierry, si tu as de la personnalité, tu ne devrais pas. Tu as fait 7 ans avec Thierry, non? Oui, c'est ce qui se dit. Une fille qui a de la personnalité, c'est que ce n'est pas là-bas qu'elle serait allée piocher le gars, si elle était en manque de gars. Elle serait allée nous sortir, je ne sais pas trop, quelqu'un qui a du charisme, qui sort, qui n'est même pas sûr, je ne sais pas trop quoi. Tu as de la personnalité, mais le regard, tu es dans les bassesses de Thierry, Tatiana, Thierry, Compresseur, Tatiana, c'est quoi comme ça? Est-ce que Compresseur a besoin de tout ça? C'est ça. C'est pas, elle n'a pas besoin. C'est ça. Ça la diminue plutôt, elle n'a pas besoin de ça. Qui m'aime? Qui m'aime? C'est ça. Entre Thierry et Achille, moi, il préférait 100 000 fois Achille. Tout le monde, c'est ça qu'on dit souvent, que quand quelqu'un part, et puis maintenant l'autre vient, parce qu'on a toujours, on connaît ce qu'on laisse, on ne connaît pas ce qu'on prend. Maintenant, c'est là où tout le monde fait que dit que mieux encore Achille. Parce qu'avant, on disait, oh, Thierry est bien, il ne l'accompagne pas bagarrer. Ah, maintenant, je ne sais même pas. Je ne sais pas. C'est quelque Luna. Chose. Oui, Maman Dorcas, oui, je suis là, je peux parler. Maman, tu oui, peux parler. Moi, je ne pas. Maman Dorcas, descends-moi, s'il te plaît. Tu ne vas entrer comment? Ici, c'est la prison centrale. Tu vas faire comment alors pour sortir? Tu as pu pour sortir. Voilà, tu as un Konengi, c'est un Konengi. Qui t'a envoyé? Alors, le Soko. Le Soko, tu es venu entrer en prison toi-même. Maman, bonjour. C'est Lifle, vous c'est qui est là, pas le maman. Je vais essayer de sortir si Maman Dorcas ne veut pas me descendre. Oui, je ne vais pas sortir, je suis à la prison centrale. Lou, n'est-ce pas? Oui, bonjour Maman Dorcas. Vraiment, je vais être du même avis que la dame, c'est qu'elle vient de dire. Apparemment, Compresseur n'a vraiment pas été ami avec l'autre, Tatiana. Mais sinon, qu'elle était amie avec Thierry depuis fort longtemps, tu vois un peu. Mais Compresseur, par derrière, savait que Thierry sort avec Tatiana. Et il a présenté Compresseur à Tatiana comme sa grande sœur. Tatiana donc a pris... Je crois que la version que tu donnes, si c'est la vraie version. Tatiana donc a pris Compresseur comme sa sœur. Tu comprends un peu? Donc, tous les petits migmas qu'elle avait à la maison, comme sa belle-sœur, a pris Compresseur. Oui, tous les petits migmas qu'elle avait à la maison avec Thierry, elle partait tout. Donc, le genre qu'elle se confiait a Compresseur. À sa belle-sœur, quand elle est douleur, c'est à sa belle-sœur. Et un soir... Quel regard que ton frère me fait? Compresseur a dû appeler Thierry qu'elle ne se sentait pas bien. Tu comprends un peu? Thierry et Compresseur se sont Tatiana et Compresseur sont déplacés aller là-bas dans le logement où Tatiana l'avait accueilli avec son gars. Elle a trouvé que Compresseur était mal. Compresseur saignait de partout. Elle a nettoyé Compresseur et tout jusqu'à c'est elle qui Tatiana. A appelé. Oui, Tatiana. Oui. C'est elle qui a appelé. Parce que c'était sa belle-sœur, elle considérait que c'était sa belle-sœur. Parce qu'elle considérait que c'était sa belle-sœur. Elle ne savait pas que Compresseur sortait déjà avec Thierry. Tu comprends un peu? Mais l'autre là fait même encore plus mal. Que, tu sais, il y a les hommes qui font ça. Il amène une femme chez lui que c'est son gars. Et il te manque que c'est sa soeur alors qu'il bouge ça. Oui. L'autre là même, la trahison de ça, ça fait encore plus mal. Mais ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Moi, je me dis, tu comprends? Jusque là, Compresseur dans sa tête savait déjà. Donc, elle était comme ça là, avec Tatiana. Oui. Tatiana connaissait que voici ma belle-sœur, elle était en train de bouiller le gars alors que les deux voilà, étaient dans voilà, c'est comme ça, tu vois. Non, l'autre est même encore plus pire que les copines. Exactement, c'est ça. Moi, je dis, la compression. Parce que le genre, elle peut t'empoisonner facilement. Donc, laisse-moi parler. Oh. C'est moi qui ai la parole, bien, c'est toi.
Vas-y, maman. Non, parce que quand tu expliques encore, c'est comme si c'était même encore plus mauvais que ce que moi, je pensais. Non, c'est ça. C'est exactement ce qui s'est passé, tu vois. Tatiana prenait compresseur comme sa belle-sœur. Donc, tout ce qu'elle avait à la maison avec Thierry, elle partait raconter en compresseur, tout. Juste, elle a été chez compresseur un soir quand... Lui, ça dit que c'est faux ce que tu racontes. Non. C'est vrai, suis toutes les vidéos, c'est faux comment. Moi, je suis toutes les vidéos qu'on a fait avant, tu comprends. Elle a même, Tatiana est malée chez compresseur, nettoyer compresseur, quand compresseur était malade. Comment est-ce que je mens? Tu vas voir que dans les commentaires, là, beaucoup de gens vont te dire que oui, c'est ça. Quelqu'un t'a demandé que comment compresseur est venu à Rouen. Apparemment, compresseur est parti à Rouen par le canal d'une de ses sœurs, parce qu'elle avait dit que sa sœur qui avait trouvé la maison en Rouen. Tu comprends? Mm-hmm. Oui, c'est mm-hmm. quand elle est arrivée. Bon, je ne sais pas si avant elle connaissait déjà leur gars là. Tu vois un peu. Mais ce que je sais, c'est que compresseur, Tatiana n'a pas été amie avec compresseur, mais elle savait que compresseur était sa belle-sœur. Déjà que son mari lui avait dit que c'est ma grande soeur ici. Tu comprends un peu. Et compresseur, mm-hmm. maman, donc, elle avait dit, compresseur sort avec Thierry comme ça. Tu sais qu'elle est l'aînée de Thierry. Compresseur est la grande soeur de Thierry. Oui, compresseur est la grande soeur de Thierry. En âge. Tu comprends un peu. Vraiment. Et quoi vraiment que les bêtises là vont l'accepter facilement. Et même si les bêtises acceptent, ce que moi je voudrais dire, c'est que compresseur dit souvent qu'elle a de la personnalité. Elle est une grande femme, elle est ci, elle est ça, mais vraiment, pour ce point, elle n'a pas eu de la personnalité parce que ça, c'est sali, c'est descendre encore plus bas que terre. Franchement, parce que attendre que Tatiana soit en dehors, comme elle est en dehors, elle a perdu sa mère et son père, même si le gars lui faisait la cour, elle n'avait qu'à dire que non, comment, regarde ma petite là, elle sait que je suis sa bique. Comment elle veut commenter avec toi alors qu'elle n'a pas confiance? Elle a fait confiance. Oui, ça c'est ça. C'est vraiment passé pour que le compresseur commence à sortir c'est avec Thierry. Mais et apparemment, comme Achille est parti en prison là, c'est parce qu'Achille avait trouvé le compresseur dans la maison avec Thierry. Tu sais ça? C'est là où il a tapé le compresseur jusqu'à ce que le compresseur l'a envoyé en prison. Oui, Madoka, suis tous les directs. Tu es sur Facebook, tu fais quoi? Maman, je suis là, j'ai fait le mauvais soco alors que vous avez le vrai soco dans le ventre. C'est comme ça, tu vois un peu, c'est comme ça. Donc voilà toute la version que les gens disent que c'est ça ce qu'on compresseur a fait. Même les vidéos qu'elle fait là, elle normalement ne devrait pas faire ça. Elle devrait rester tranquille dans son corps. Et moi, elle me demande même qu'elle a même quelle famille là-bas au Cameroun, qu'elle est en train de parler de l'homme, homme. Une personne qui a fait 20 ans à Paris, tu pars au Cameroun, au lieu d'aller résoudre tes problèmes que tu allais résoudre, tu es là, tu fais les vidéos seulement pour parler d'un homme. Et ta famille aussi t'accepte, on accepte quoi comme ça? C'est sale, c'est salissant ça. C'est très, très sale. Franchement, que le Seigneur m'excuse, moi, je ne suis pas parfaite, mais vraiment, il y a des choses qu'il faut... Il faut, quand moi je vois ces médicaments, c'est quel genre de famille, jusqu'à elle parle, on l'encourage derrière. C'est quoi ça? À parler d'un homme. Ah. Je suis dépassée, Lounès. L'affaire est encore plus compliquée. Moi, je croyais que compresseur et Tatiana étaient les copines. Donc, c'était le genre que ton mari vient te présenter que voilà ma soeur. Oui, tu te confies sachant que c'était ta belle-soeur alors que les deux sont en train de mourir. Le genre là, le jour que tu découvres, tu peux te tuer. C'est ça. Quand tu vois que, oh, Tatiana, est-ce que faire 7 ans avec un homme, c'est 7 jours, c'est 7 semaines? 7 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Les gens racontent même quoi. C'est beaucoup. Quand on dit à compresseur que ce que compresseur a fait n'est pas bien. Parce qu'avant, on dit souvent qu'avant de griffer quelqu'un, griffe-toi un peu pour en tout savoir la douleur de ça. Si c'était elle, si c'était bien, si on faisait ça une à une de ses soeurs, est-ce que ça devait l'arranger? Est-ce que ça devait lui plaire? Oh. Non, on ne fait pas ça. Même comme nous sommes toutes des femmes, on ne fait pas ça. Tu vas voir les gens vont venir te dire là que même si elles n'ont pas été amies, oui, elles n'ont pas été amies, certes, mais est-ce que c'est bien que quand t'aide, tu peux prendre son gars? C'est pas bien ça. Oh. Quand on parle là, c'est pas... Que on sait que Tatiana aussi a son mauvais côté, mais ce que compresseur a fait n'est pas bien. Disons-nous les vérités. Maman, c'est ça qu'on essaie de dire là, et puis ça devient comme si... Même sa team, ils sont conscients que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais sauf qu'on ne veut pas lui dire la vérité. C'est pas bien.
Et même si elle a pris le gars de Tatiana, elle devait rester tranquille dans son coin. Mais elle est là chaque jour à faire les vidéos. Oh, c'est mon gars. Oh, ma fille. Quelle qualité de gars. On dit que tu l'appelais Thierry, mon petit. Quel gars? Quel gars, dis-moi. Ah. Pardon. Quel gars, même. C'est ça qui me fait mal. Composition est belle. Quel gars? Madoka, ce qui me fait mal, c'est même pas que le gars, ce qui me fait mal, c'est qu'une personne qui a plus de 20 ans en Europe, tu viens t'asseoir au jus que tu discutes l'homme. C'est quoi? C'est quelle qualité d'homme? C'est l'homme qu'on n'a jamais vu. Oh. Merde. Composition ne mérite pas tout ce qui se passe là. Non, normalement, elle devrait même rester tranquille. Même les vidéos qu'elle fait, elle ne devrait pas faire. Parce que ces gens nous disent, même les vidéos qu'elle fait, elle ne devrait pas faire ces vidéos. Elle ne devrait pas faire ça. Elle se salit plutôt. Elle se rabaisse encore davantage. Ouais. Qu'on lui dise la vérité. C'est pas beau à voir tout ce qui se passe là. Même le gars là, je crois que le gars là, il n'aime pas Composition parce qu'il ne la protège même pas. C'est un coup, il tourne, allô? Il est avec Tatiana derrière. Oui, allô. Manuela, bonsoir. Bonjour, Madoka. En fait, le souci est tellement profond. L'histoire de Composition et Achille et Thierry, tout ce qui se passe. En vrai, l'histoire même, c'est que Achille est le bon petit de... Thierry est le bon petit de Achille. C'est ça la vraie version. Voilà c'est même que... une parenthèse que j'ai oublié de te dire. Voilà, Achille est le bon petit de Thierry. Et Composition était la femme à Achille, Achille dans le temps. Tatiana, il sortait avec Thierry. Et la trahison, c'est que quoi? C'est que les deux ont commencé à sortir ensemble. Ça a fichu le mariage de Composition avec Achille. Voilà. Il y a eu la violence que tu connais. Il est parti en prison. Parce qu'il a eu à découvrir la relation. Voilà comment elle quitte Rouen, elle quitte Paris pour venir sur Rouen. Et elle a l'aide de Tatiana. Arrivée là-bas, il y a eu l'histoire que tu connais. Il a présenté en tant que sa grande sœur parce que effectivement, c'était la femme à son bon vieux père, comme on le dit. Mm-hmm. C'est comme ça qu'elle est rentrée dans le foyer de Tatiana. Tatiana, c'est sa belle-sœur. Elle lui explique les déboires de famille, tout ce qui se passe. Et après, elle se rend compte qu'elle est au milieu d'une grande trahison parce qu'ils ont commencé à sortir ensemble depuis qu'elle lui reste. C'est ce qu'ils ont connu à Rouen, là-bas. Donc, la trahison même est tellement profonde parce qu'elle-même, elle arrache Achille à une de ses copines, bonne vieille, mais on va dire la mère d'Aïcha Camoise. Parce que Achille était sorti avec la mère d'Aïcha Camoise. Oui, dont l'appel est vrai. Oui, c'est comme ça qu'elle n'est pas achetée. Elle a eu un sac qu'elle voulait acheter dans le chat. Et donc, la dame lui donne le contrat, le contact. Quand la dame lui donne le contact, ça devient un problème à sa mère. Donc, après, tu viens en cause. Où tu veux que tu viennes là-bas à la maison? Donc, c'est un peu comme ça s'est passé. Okay. L'histoire est très profonde. Il y a beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de méchanceté. Et c'est dommage. Parce qu'en tant que femme, tu ne peux pas te permettre d'agir comme ça, impunément. Qu'on se le dise, la vérité est bonne à dire. C'est pas une histoire de clash. Mais oui, les gens ne veulent pas. Voilà. C'est pas une histoire de clash. C'est une histoire de méchanceté. Et l'histoire est tellement profonde parce que le méchant, c'est Achille, il n'y a pas de problème. Mais il y a une part de responsabilité que Composition aussi doit endosser. Et aujourd'hui, si le karma frappe fort, elle endossera parce que c'est méchant. Qu'on se le dise, Tatiana a perdu ses parents en 2 heures, je pense, d'après ce qu'elle a eu à dire. Sa mère est décédée. Et 2 heures après, son père est décédé. C'est un choc émotionnel. Et ce que vous dans tout ça, elle a encore quelle trahison qu'on a piqué son gars. Ce que vous lui avez fait, c'est d'un cruel sans nom. Il faut arrêter. C'est d'une cruauté sans nom. À un moment donné, qu'on soit aussi humain, qu'on soit aussi vrai, parfois dans les relations. Parce que ce que Composition lui a fait, et même le fait que Achille soit parti en prison, c'est parce qu'elle en avait marre. Elle voulait se débarrasser pour vivre à bien sa relation avec Thierry. Non, madame, aussi, c'est pour qu'elle envoie le gars en prison. Madame, excusez-moi, ici, ce n'est même pas le procès d'Achille. Laissons même Achille Mais oui, pour dire que, jusqu'à ce qu'on arrive ici, c'est grave. Ce qui se passe actuellement là. Jusqu'à ce qu'on arrive ici, c'est grave. Ça aurait été une autre personne. L'histoire d'Achille de Thierry devait même pas être sur la toile parce que c'est dégueulasse. C'est vraiment, c'est très sale. Tu devais te cacher, tu devais raser les murs. Ah.
Tu n'es pas la première femme qui a fait ça, il n'y a pas de problème. Mais ça, on se cache. Tu devais vivre cette relation dans le secret. Mais aujourd'hui, jusqu'à venir le brandir comme un drapeau, c'est d'une souillure sans nom. Qu'on se le dise, c'est sale. C'est très sale, même. C'est très sale. Moi, et c'est ce qu'on se tue à dire, qu'elle profiterait même vraiment à faire ce problème-là, même si Tatiana a dit qu'elle ne répond plus. Après, ça va se calmer. Parce que quand on entre, on essaie de voir, on essaie de contourner l'histoire, pour voir comment on peut même donner même le projet à contrôler. Mais on voit partager la nudité de, la nudité de la femme. C'est-à-dire, vous la souillez, vous la mettez plus bas que terre. En fait, en vérité, vous avez monté un coup pour la tuer. Parce que ça, c'est vraiment tuer une personne. Mettre la nudité d'une personne sur les réseaux sociaux, c'est tuer la personne. Qu'on se dit, on a même si on l'a pas publié. Elle en maillot de bain, mais qui publie les photos de leur mère en maillot de bain? On va voir si c'est doux. C'est faire une publication, c'est faire la publication d'une femme. Ça, on veut seulement qu'elle soit nue pour savoir. Publie la photo de leur mère et puis on va voir si c'est en maillot de bain et puis on va voir si c'est pas de la nudité. À un moment donné, quand vous n'êtes pas à la place des autres, arrêtez de penser que les autres ont bien fait. Ce que Compresso fait, c'est méchant. Que les autres avant ont fait, et il y a d'autres ici qui sont venus parler de la publication de leur mail ici. Aujourd'hui, ils sont en train de pleurer sur tous les réseaux sociaux qu'on a publié leur mail. Pourtant, c'est eux-mêmes qui ont envoyé les mails sur les réseaux sociaux. À un moment donné, arrêtez un peu la manipulation. C'est quand ça vous arrange, c'est la méchanceté. Sinon, pour l'autre, c'est la manipulation. À un moment donné, voilà quoi. Et il faut voir comment les gens sortent insulter la fille là-dedans. On fait les vidéos. Hein? Elle n'en a rien à foutre de ce que tu penses. Hein, machin. Non, c'est quand même méchant. Elle a vécu avec cet homme, même toi, 7 ans. C'est pas donné. Surtout. Que le monsieur vient renvoyer la fille en tant que sa grande sœur et tout. Toi, tu te dis, c'est la personne de confiance. Et les foyers, c'est difficile. Les foyers, c'est difficile. Quand il se passe des choses, tu veux te reconforter auprès d'une personne qui est dans le secret, mais aussi qui peut arranger la situation. Tu ne peux pas partir. En fait, Tatiana s'est confiée à son diable. C'est-à-dire, en fait, elle se confiait de ses problèmes de foyer. Ouais. Pendant ce temps, ça se tapait les mains et ça rigolait de rien. Mais on peut aussi profiter de ça pour parler aux hommes. Vraiment, c'est dangereux. D'être avec votre femme, vous amenez une maîtresse, vous présentez à vos femmes que c'est ma soeur. Et vos femmes sont confiantes. Parce que c'est comme ça que quelqu'un meurt comme la blague. Madoka, je ne te coupe pas la parole, tu comprends? Nous, les femmes, on doit avoir l'intelligence et la sagesse, tu comprends? Tu peux sortir avec un homme marié, mais tu te dis dans ta tête, comme il est marié, moi, je ne vais jamais l'appeler. C'est à lui de te sonner, parce que tu peux le sonner qu'il est dans une mauvaise posture avec sa femme et que ça leur crée des problèmes. Nous-mêmes, les femmes aussi, prenons aussi nos responsabilités en main. Ne disons pas seulement que les hommes. Tu comprends? Madoka, c'était moi. Bonne journée, je m'en vais au travail. Parlons pour parlons vrai. Moi, je vais te prendre. Moi, j'aime toujours parler de moi. Je n'aime pas prendre l'exemple sur des gens. Moi, je suis une femme aujourd'hui. Je suis une femme veuve. S'il arrivait que je sorte avec un homme marié, mais Madoka, je te jure sur tout ce qui m'est cher, je ne vais jamais appeler cet homme-là. C'est à cet homme-là de me sonner. Tu comprends? Parce que je peux le sonner qu'il a une mauvaise posture avec son épouse et puis ça leur crée, ça leur met dans des problèmes. Elle pouvait toujours accepter de sortir avec le gars derrière, mais elle laisse Tatiana dans sa relation. Ne fais pas autrui ce qu'on te fait. Si on te fait demain, ça ne va pas te faire. Ça va elle te pouvait laisser Tatiana dans sa relation, sortir avec le gars. Elle pourrait même être avec Achille. Elle sort avec le gars. Les femmes mariées font ça. Sans avoir à détruire Tatiana. Sans avoir à dire que Tatiana, elle doit se retrouver dans la rue sans mari. Quand alors qu'elle avait Achille. Pleure, on vient dire qu'elle pleure l'homme, elle pleure l'homme. On doit voir l'autre aussi qui est aussi en train de discuter l'homme. Achille bavait pour elle. Elle pouvait rester avec Achille en même temps. Elle coupe avec Thierry derrière. Mais elle laisse Tatiana dans sa relation. Et ça ne devait pas aussi être facile de gérer comme ça. C'est pour ça qu'elle a préféré. Est-ce que c'était alors une bonne chose que tu viens comme ça là, tu détruis la relation d'une autre femme comme toi entre nous? Elle est maintenant là en train de pleurer partout dans les réseaux sociaux. Et toi, tu penses maintenant c'est nude, tu balances. C'est balance, bien. Vraiment, tu donnes aux gens de plus bien. C'est gentil ça. Ces gens-là bonsoir, ma chérie. Bonsoir, Madoka. Tu dis la vérité à Compresso. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça, on ne fait pas comme ça. Quand elle dit la vérité, vraiment, je suis désolée. Quand elle dit la vérité, moi, je ne sais pas. Oui, maman. Ouais, son crédit l'a lâché.
sa connexion. Elle a fait l'autre jusqu'à dire dans un direct que si elle me tente, je vais déterrer même ses grands-parents. Et c'est ça. Et ayant déjà pris son gars, comment elle veut... Voilà, quand même. Respectons-nous. Vraiment, les hommes aussi, apprenez à contrôler vos plantains là, vos plantains entre vos jambes. Vous allez faire les femmes finir de s'entretuer à cause de vos plantains. Arrêtez de faire ça. Vous présentez à vos femmes que voilà ma soeur. Et parce que quand vous dites à une femme que voilà ma soeur, elle prend tout le cœur, elle met là-bas. Dès qu'elle a un petit pouvoir, toi, elle dit qu'elle m'avait fait ma belle-sœur. Dès qu'elle a un petit pouvoir, elle part. Donc, elle part comme ça, confier ses secrets à sa coépouse. Dorcas, est-ce que tu as déjà vu le chien refuser l'os de la viande? Même si tu as sucé jusqu'à il n'y a plus rien dessus, tu donnes au chien refuser. L'homme est comme ça. L'homme est comme ça. C'est aussi souvent la femme de se retenir. Elle pouvait bien dire au gars que non, je ne peux pas faire ça à ma petite sœur. Je ne peux pas. Olivier Tété, bonsoir à toi, papa. Je suis dépassé. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Parfois, ayez un peu un petit soupçon d'humanisme en vous. Demain, un petit soupçon d'humanisme. Demain, si t'arrives quelque chose, tu vas t'asseoir et dire que ouais, j'ai fait quoi à Dieu? Est-ce que parce que le numéro, c'est le plus, le, qu'est-ce que dit, le 677-38-06-98. Attends, je vais écrire. Vraiment, maman, parce que tu me vois là depuis que tu parles, Lounès, je suis en train de réfléchir. Je me mets pas à la place de Tatiana, j'ai dit que comme je suis dans la maison avec un homme là, il me présente une fille que, hey, que voilà ma soeur. Je prends tous mes organes, je mets là-bas que c'est ma belle-sœur. Demain je découvre qu'il m'ouvrait avec la fille. Maman, je veux faire comment? Vais gérer le genre de trahison là, comment? Jusqu'à il part avec la fille, il m'abandonne dans la maison. Je les vois déjà à deux. Celle-là que j'appelais ma belle-sœur hier. Voilà. Que toutes ces personnes qui sont en train de parler là se posent un peu la même question que tu es en train de te poser là. Quand on dit que non, on n'arrache pas le mari d'une femme, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, ça c'est les conneries. Ça fait mal, hein, maman, ça fait mal. Pardon, je suis désolée, mais ça fait mal. Ça fait vraiment mal, Badoka, ça fait mal. Que les gens ne racontent pas n'importe quoi, ça fait mal. Ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse demain. En tout cas, et maintenant, elle envoie les nudes qu'on publie. Si c'est bien, alors. Ah, elle a déjà envoyé, non. On va parler. Au moins, je connais Compresso. Quand Compresso en guerre, Compresso s'assoit comme ça s'assoit. Elle n'a pas de nuit. Oui, elle ne se retient pas. Je suis sûre qu'elle a encore plus de vidéos compromettantes que ce que Tamala a publié. Je suis sûre. Les autres font, ils ont quand même de la retenue, mais elle n'a pas de retenue, franchement. Elle n'a pas de retenue. Excusez-nous, la TKS, on ne tire pas sur Compresso, mais on dit les vérités. Voilà le numéro qui est épinglé, Jésus mon sauveur. Voilà le numéro que j'ai épinglé. L'autre dit que Tatiana, elle-même, elle est doucement. Est-ce que c'est que Tatiana? On n'a pas dit que Tatiana, dit qu'elle Tatiana est doucement. On est en train d'aller sur les faits. Les faits qui sont là. Que nous tous, nous sommes en train de voir. On n'a pas dit que Tatiana est doucement. C'est ce qu'on voit sur le truc qu'on... Les gars, elle dit quelle vérité. Parce que vous n'aimez pas accepter. Vous aimez toujours vivre dans le faux. C'est ce qui va vous tuer. Dites à Compresso que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Si c'est vous-même, les TK, c'est là que une femme, votre mari, vous, vraiment, apprenez aussi à vous mettre un peu à la place des autres. Apprenez aussi quand même à mettre un peu vos pieds dans les chaussures des autres pour savoir la douleur. C'est ça, non? Que les autres ne veulent pas. Parce que quand tu ne peux pas mettre tes pieds dans les chaussures pour ressentir la douleur d'une personne, tu vas dire que, ah,
alors que la personne a mal au pied. Ça avait été vous. Le direct que tu as fait hier, tu n'as même pas mal parlé de compression. Tu parlais seulement de faits. Bon, t'as craqué. Maman, il m'a chargé dedans jusqu'à. Mais tu t'insultais partout. Est-ce que... Vous pensez que vous insultez, ça change quoi? Ça change quoi dans la vie de quelqu'un? Allô? Oui, Lucas. Allô, bonjour, Lucas. Bonjour. Bonjour, je voudrais intervenir. Oui, tu es en direct, ma chérie. Oui, bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux frères et sœurs. Vidéo, qu'on arrête de critiquer, mais que nous en tirons profit. Blanc, tu envoies la demande. Oui. J'aimerais qu'à travers ton direct, en tant que femme, que nous puissions profiter des conseils et que tu puisses sensibiliser les femmes. Ouais. Il est inadmissible. Moi, je trouve anormal que. Moi, je prends un exemple très simple. Tatiana a perdu un homme, enfin, elle a perdu son homme depuis pratiquement 3 ans ou 4 ans. Oui. Ça sert à quoi de pleurnicher? Ça sert à quoi de venir pleurnicher tous les jours sur Facebook? Maman, tu sais qu'elle ne peut jamais oublier, non, ma. Ça fait mal, hein. Attends, je vais. C'est les douleurs que même 20 ans, c'est comme si tu as perdu un enfant, hein. Ha. D'autre part, je vais te dire ce qui s'est exactement passé. Nous ne nous cachons pas certaines vérités. Oui, maman. Compressor et Monsieur Thierry se retrouvent. Les deux tombent amoureux l'un de l'autre. Thierry tombe amoureux de quoi? Raïssa, il y a quelqu'un au téléphone, je ne peux pas te prendre. Laisse la dame finir. Raïssa, quelqu'un au téléphone, s'il te plaît. Vas-y, maman. Oui. Thierry tombe amoureux de Compressor parce que Compressor est une femme douce, très propre, cuisinière. Yeah. Oui. Si c'est pour ça, c'est vrai. Quand c'est vrai, il veut dire que c'est vrai. Oui, la preuve est là. Thierry ne jurait que par elle. Son ex. Dicalo ne jurait que par ça. Compressor a fait plus de 10 ans avec Thierry, avec Achille. Dicalo. Oui, avec Achille. Ne le rejetons pas. Écoutons les conseils et profitons. Pourquoi Thierry est parti? Ce n'est pas forcément parce que Compressor a fait les 12 yeux. Achille, tu confonds, maman. Pourquoi Achille est parti? Oui, pourquoi Achille est parti? Non, c'est pas ce que je veux dire. Thierry? Je suis en train de dire, laisse-moi me répéter. Compressor est une femme très propre, une femme de maison. Ça, il ne faut pas rejeter ça. C'est une femme de poignée. Contrairement à l'autre, il passe tout son temps dehors. On peut vendre le piment, mais tenir son ménage. Tirons les conseils de ce qui vient de se passer. Quand Thierry tombe donc amoureux l'un l'autre, Compressor trouve un homme qui peut l'aider à avancer et qui l'a en plus affiché sur Facebook. Compressor trouve un homme qui peut l'aider à faire les démarches au niveau du social service. Compressor retrouve donc. Elle a des aides. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé un monsieur comme Thierry qui est éduqué. Parce que Thierry a fait l'université. Il était en terminale. Et tout le monsieur qui veut son bien, qui l'encadre, qui la protège, qui l'empêche de clasher. Contrairement à Dicalo, qui l'encourageait à clasher et qui l'encourageait à aller bagarrer. Les deux se mettent ensemble et l'un trouve profit et l'autre trouve profit. Ouais. Tatiana ne faisait pas à manger à son mari. Elle était toujours en train de bagarrer. On a vu le couteau. Bon. Qu'est-ce qui se passe donc? Thierry dit, ah bon, mais ça, c'est vraiment la femme qui m'en faut. Compressor, aussi de son côté, elle dit, ah, mais voilà un homme qui m'aide. Grâce à lui, j'ai eu ma maison. Ce que je n'ai jamais eu depuis que je suis aux États, depuis que je vis en France. C'est grâce à Monsieur Thierry que Compressor a eu sa maison. N'oubliez pas ça. C'est grâce à Monsieur Thierry que Compressor commence à aller à l'école et commence à étudier. Parce que Compressor lit un peu maintenant. Elle lit. Et n'oubliez pas ce contexte-là. Donc, Compressor trouve un homme qui veut sa réussite, qui veut la pousser à bout. Et Thierry aussi trouve une femme qui est propre, qui s'occupe de lui, qui prépare à manger. Il n'a pas besoin de faire 3 ou 4 jours pour aller manger dans les restaurants. Les deux se mettent ensemble. Ils trouvent qu'ils ont quelque chose de commun. Et c'est comme ça que Monsieur Thierry lâche Tatiana et Compressor lâche l'autre. Moi, à sa place, si je vis avec un homme, je ne suis pas encadré, je vais partir. Arrêtons de dire que non, je ne peux pas. Je vais te poser une question. Tu vas partir. Le contexte dans lequel elle est prend Thierry, est-ce que tu trouves ça que si ton mari, que tu as à la maison, ma soeur, dit la vérité, Dieu te regarde aussi. On dit souvent que dis la vérité pour que le diable qui est derrière toi, ton mari que tu as à la maison, il te présente une personne que voilà ma soeur. Demain, tu découvres que la soeur là, c'était la
la concubine de ton mari. Tu vas faire comment, ma? Réponds sincèrement. Moi, ce que je veux dire, c'est que... Parce que tu es aussi là pour conseiller nos jeunes sœurs. Hein. Non, ma maman, écoute-moi très bien. Ouais. Arrêtons d'accuser seulement compression. Qu'est-ce que Thierry a fait? Si Thierry aimait Tatiana, il serait resté. C'est pourquoi j'ai dit que je n'accuse pas seulement compression. Le plus dangereux de l'histoire, c'est Thierry. Arrêtons de tirer sur compression. Thierry trouve une femme très bien, propre. Ça, oui, on donne le crédit qu'elle est bien, elle est propre, elle est cuisinée. Est-ce que ça va bien que tu entres dans la vie de quelqu'un comme sa belle-sœur, après découvre que tu mougou son gars? Ma, mais, dis-nous la vérité. Ce n'est pas bien ce qui se passe, mais ça s'est toujours passé dans tout le monde. Ce n'est pas, on ne peut pas apprécier. Donc, tu souhaiterais que cela t'arrive. Tu souhaites que cela t'arrive. Moi, je veux te dire honnêtement, si Tatiana avait bien gardé Thierry ne serait jamais. Donc, cet temps, elle a mal gardé. C'est qu'elle a ouvert la porte, elle a fait confiance à sa belle-sœur, sans savoir que c'était sa rivale. Ce n'est pas un problème de confiance. Il y a, tu vois, en Europe, il y a ce que fait. On reste pas. Comment dire? Parce qu'on ne sait pas quoi. Elle a mal gardé. Elle a fait confiance. Donc, Tatiana était sale. Elle n'était pas une femme qui faisait la cuisine. Elle avait 24 sur 24. Ah, donc, compresseur était différent, quoi, c'est ça. Mais nous sommes les femmes. Lounès, si elle m'écoutait là, je me réfute encore dans le live. Lounès, coupe l'autre téléphone, merci. J'ai dit Emma, pardon. On monte aussi. Tu as les jeunes sœurs qui t'écoutent. Tu as compris? Pour que les jeunes sœurs ne font plus les erreurs que, par exemple, ce qui se passe entre Tatiana et Compressor. Est-ce que toi, tu vois que venir dans la vie d'un couple en tant que la belle-sœur et te faire confiance que voici ma belle-sœur, quand elle a les problèmes, elle va vers toi que c'est ma belle-sœur, tu es malade, elle vient t'assister comme ma belle-sœur, tu prépares, elle t'appelle que ma belle-sœur, envoie-nous aussi, elle sait que c'est sa belle-sœur, tu la loges même dans votre maison en tant que belle-sœur, demain tu découvres que c'était ta rivale. Ma, dis ta vérité devant Dieu. Tu sais, moi, je conseille les jeunes sœurs qui nous suivent, ma. Ne mettons pas trop d'émotions. Ne mettons pas trop d'émotions. Non, les faits sont là. Ce n'est pas les émotions. Les faits sont là. Donnons des conseils pour pouvoir profiter. Ouais. Il y a des hommes qui vont dormir. Il y a des hommes qui vont dormir. Ils rentrent chez eux. Pose-toi la question pourquoi. Non, le problème ici, c'est que c'est celle qui s'est fait passer pour la belle-sœur. Elle était dans la maison avec elle eux. Elle s'est fait passer pour la belle-sœur. Mais l'erreur que Tatiana a commise, c'est que tous les soirs, compression préparée, elle venait porter. Et toi, tu crois que c'est toutes les femmes qui préparent, maman, mais elles sont avec les maris à la maison. Tous les jours, elle ne mettait pas la cuisine, maman, donc tous les jours, elle a fragilisé son ménage. Donc, comme elle a fragilisé, compression avait raison d'arracher. Elle a fait une erreur. Je ne suis pas en train de dire, elle a négligé, quelqu'un d'autre a pris. Aïe, maman. Maman, si on te fait ça. Non, écoute ma chérie, et Dicalo aussi, Dicalo ne la gardait pas bien, il a négligé, quelqu'un d'autre a pris. Moi, si je trouve aussi un homme qui néglige, et je trouve quelqu'un qui va me prendre, je pars. Ma, tu vois que le gars là est bien pour compresser, ma. Toi-même, tu dis-nous la vérité. Mais le gars, je dis un, le gars l'encourage beaucoup à réussir. Grâce à lui, elle lit. Grâce à lui, elle prend les cours. Grâce à lui, elle a eu sa maison. Grâce à lui, elle a les aides. Elle a dit qu'elle n'avait jamais une aide depuis qu'elle vient en France. C'est lui qui a appliqué. Non, ne rejetons pas ce côté. Okay. Elle n'a pas signé. Elle le dit. Elle le dit tous les jours dans ses directs. Elle le dit à qui veut l'entendre. Elle a vécu avec Dicalo. Dicalo n'y a jamais songé. Jamais. Il l'encourageait plutôt à l'accompagner, à aller bagarrer. Mathieu, dans tout tes droits. Il l'encourageait à aller clasher. Il avait 19 faux profils. Mais elle a trouvé un homme qui lui dit que non, tu ne veux pas te voir sur Facebook après 20 heures. Un homme imposant, un homme qui la recadre. Les femmes aiment ça aussi. Et de l'autre côté, le mari a trouvé une femme qui fait sa table quand il rentre. Elle est propre, le lit est bien dressé. Tu as vu là où Tatiana vit? Tu as vu la saleté? Tu as vu la poubelle? Mais arrêtez! Mais le gars a vécu
dedans. Le gars a vécu dedans depuis 17 ans, depuis 7 ans, ma. Non, il a vécu dedans parce que tu peux rester avec toi parce que tu ne sais pas là où aller. C'est pas parce que tu es heureux. Les gens qui envoient les demandes, là, je vous prends, mais vous n'entrez pas. Renvoyez seulement les demandes. Je vais tout continuer jusqu'à vous aller entrer. Ma, je suis dépassée. Tu peux aller quelque part. Tu peux vivre quelque part. Tu peux être là, mais tu n'es pas heureux. Il n'était pas heureux. Ce monsieur n'était pas heureux. Donc, il a sauté sur une occasion. Compression aussi a sauté sur une occasion. Et les deux se sont mis ensemble. Ok, ma. Donc, arrêtez d'accuser. Tirons des profits, tirons des conseils. Arrêtons, les femmes doivent bien se comporter dans leur ménage. Arrêtez, à Paris, les filles exagèrent. Donc, en conclusion, tu dis aux femmes de bien se comporter dans leur ménage pour que les belles-sœurs n'arrachent plus leur mari, c'est ça, non? Marie, oui. Ok, merci. Merci beaucoup, ma chérie, pour ta contribution. Pardon. Donc, vous avez compris notre consoeur. Gardez bien vos maris afin que les belles-sœurs n'arrachent plus vos maris. À partir d'aujourd'hui, les belles-sœurs n'entrent plus chez moi. Les belles-sœurs n'entrent plus chez moi. La femme a dit qu'on doit protéger nos... Les belles-sœurs, respectez vos couloirs. Vous n'entrez plus dans nos maisons. Oui. Raïssa, tu as la parole. Oui, parle, Raïssa. Dis-nous. Nous, on fut une des premières personnes appelées Fleur de Lys pour signaler cette histoire-là depuis à l'époque. Oui. Voilà. Quand Ngossa arrive à Rouen, c'est ma soeur Bassaka, elle arrive à Rouen. Elle vient avec Achille Dikolo. Chérie est le bon petit de Achille Dikolo. Oui. Maintenant, Tatiana, Thierry, mais je présente, couple, voici ma femme, voilà, ici, c'est là, ma chère, voilà, tu parles à ça. Après, faut dire la vérité à Ngossa, même si on supporte mon procès, faut souvent lui dire la vérité. Le tout, si elle a trop chié sur elle, que j'ai même débloqué. J'ai réactivé encore mon faux profil, c'est pour elle. Je me suis désabonné chez elle. Je suis même plus décassé. Elle a trop une dame. Donc, toi, tu étais une décassée. Biche. Maintenant, je ne suis plus. Allô? Il faut qu'on lui dise la vérité. Quand je lui dis la vérité, elle-même reconnaît la vérité. Mais elle joue là-là. C'est depuis qu'on lui demande les séries. Thierry, comment toi tu as ton show, il prend la route à page. Il te fait le chantage. C'est ça qu'elle ne fait que demander au TK, c'est là que. Donc, vrai, vous approuvez la relation avec Thierry là. Ils disent qu'elle est heureuse. Elle est heureuse. Tout le monde ne fait que monter et dit qu'elle est heureuse. Qu'elle montre qu'elle est heureuse. C'est lui qui a donné la maison à Rouen. C'est lui qui l'a aidé à lire. Non, il n'a pas donné la maison. La maison a juste pour dire que ça fait ce qu'on connaît nous tous là-bas. Elle était partie habiter là-bas. La maison, c'est la maison de Thierry lui-même. Il se raconte sa maison de Dongo. Il loue ça en semaine ou en week-end. Allô, Dorcas. Mais oui, là, bonsoir. Là, qu'est-ce que Thierry fait? Thierry met sa maison pour voir le Dongo. Il dort chez les femmes partout. Allô, Dorcas. Oui. En fait, bonsoir, comment vas-tu? Que Thierry l'a fait à lui. Raïs attend aussi une autre personne parle. Oui, c'est que Thierry, la fille de compresseur part de la maison en cause de Thierry. La première là. Elle n'est plus avec compresseur. Elle fait. Sa fille, elle vient de temps à autre, mais elle avait préféré déménager de là. Elle ne supportait pas. Elle ne supportait plus. Allô, Dorcas. Oui, maman. Bonsoir à toi. Comment vas-tu? Bonsoir, tu vas bien? En fait, c'est la dame qui était au téléphone tout à l'heure. Là. La dame qui était au téléphone tout à l'heure. Là. Si elle était en face de moi. Ok, ma. Oui, maman. Bonsoir, Dorcas. Hey. Bonsoir, oui. Bonsoir, ma. Bonsoir. Je peux parler ou la dame doit d'abord parler? Elle est descendue. Parle, ma chérie. Bonsoir, Dorcas. Oui. En fait, je t'appelle pour intervenir par rapport à ce que tu es en train de faire là. C'est une très bonne sensibilisation. Mm-hmm. Moi, en fait, j'interviens par rapport à la dame, l'autre dame précédente qui est partie, par rapport au message qu'elle a passé. Quand tu lui poses la question de sensibiliser la jeunesse, vraiment, elle est venue raconter des histoires dans ton direct. Franchement, la prochaine fois, il ne faut pas accepter. Parce que la question est-ce que c'est bien ce qu'elle a fait? Non, ce n'est pas bien ce qu'elle a fait. On sait qu'il y a des hommes qui peuvent passer 10 ans avec des femmes, même si tu ne sais pas faire manger, même si. Une femme ne peut pas savoir tout faire. Une femme ne peut
pas, Tatiana n'a pas su faire certaines choses, certes, mais ça a été une bonne épouse. Elle a quand même des pas, bonnes pour, concubine, que pour que cette dame, pour que ce monsieur puisse rester pendant 7 ans de vie commune. C'est elle pas a quand parce même aussi que un point quand même que le gars aimait. Aujourd'hui, quand Bresson arrive, elle se fait à manger, elle se fait ceci, elle se fait cela. Moi, je suis contre le fait que Compressor, moi je suis une abeille, hein. Moi je suis contre le fait que Compressor s'est permis de se vanter. Moi j'ai pleuré. J'ai compris que Compressor a touché le sol. Une femme ne peut pas renverser une autre femme et venir sur les réseaux sociaux se vanter. Ça c'est le karma. Femme, renvoie la demande. Ça c'est le karma, elle aura le karma de cette fille. Peu importe si l'autre dame, elle s'est fait manger plus que qui. Plus que c'est qui pas bien. Les repas qu'elle a eu accusés, c'est des repas que nous, on a eu à cotiser pour lui donner de l'argent. Ce n'est pas pour qu'elle ait préparé et donné à manger. Hein? Non, je suis désolée. Je suis désolée. Et en plus, elle s'en vante tellement que dit, mon Dieu. Mais un jour, je sais qu'on se croisera. Je lui dirai que ma soeur, tu es indemne. On se connaît, oh, tu es indemne. Parce qu'on est en train de pouvoir, même là où on peut dire que Compressor a raison, ou elle a même raison à 10%, vraiment, quand on contourne partout, là, ma soeur. Même quand tu as trompé, même quand tu as pris le mari de ta soeur ou de ta copine, mais tu te caches. C'est par respect. Tu te caches. Maintenant, c'est nude qu'elle décide de publier. Est-ce que c'est bien? Tu dissimules, mais tu vas publier. Nous sommes contre pour la nudité des femmes sur les réseaux sociaux. C'est notre combat, nous, en tant que la diaspora. Nous sommes contre. Comportons-nous comme des femmes responsables. On ne peut pas partir de l'Afrique, on arrive en Europe, on se comporte de la même manière. Non, les filles, intégrez-vous. Quand même, s'il vous plaît, vous n'êtes pas des seules. Non, arrêtez, il n'y a que toujours dans le continent qu'on voit ces trucs-là. Mais c'est humiliant. C'est humiliant qu'elle arrête ça. C'est pas bien ce qu'elle fait. C'est pas bien. Non. Et moi, j'ai aimé le fait que tu as fait, ça fait 2 jours, je te suis là vraiment tout le temps. Et la sensibilisation, je pense que c'est très bien. Nos jeunes sœurs, nos petites sœurs, nos sœurs. Non, c'est pas bien. On ne prend pas le mari de sa copine ou même de sa sœur. Et même quand il arrive, quand tu le fais, tu dois te cacher. Tu dois même te cacher. Tu dois même pas te faire comme si c'était, tu étais plus mieux qu'elle. Non, c'est le karma. Bibi, je vois. Tu es entré dans le live. Tu as envoyé la demande, j'étais primée, tu n'as pas pu entrer. Les pleurs de Tatiana. Ah, mais je pense que Compressor ne s'en rend vraiment pas compte, en fait. Elle ne s'en rend pas compte. Mais moi, je dis toujours à cette fille, bah, écoute, refais-toi. Hein. Ça fait partie de la vie. Parce que les hommes sont des éternels insatiables. Tu as beau savoir faire manger. Tu as beau savoir tout faire. Mais ça n'empêche pas que l'homme va toujours dehors chercher. Voilà. Et vous allez voir ce qui va se passer, Emma Dorgas. Ce monsieur va retourner chez Tatiana, vous verrez. Quand un homme fait 7 ans avec une femme. Je vous le dis sincèrement. Parce que là-bas, il avait d'abord ce qu'on appelle une stabilité. L'homme adore la stabilité. Cette femme, elle est stable. L'autre est instable, que ça soit physique, que ça soit moral et que ça soit financière, parce que ça compte dans un couple. Ce n'est pas seulement le fait de savoir faire manger. Elle vient de dire qu'elle était sale. Qu'est-ce qu'elle en sait cette dame? Qu'elle arrête de raconter des conneries, qu'elle ne vienne plus sur parler comme ça. Elle n'a aucune éducation, elle est pauvre d'esprit cette dame-là. Elle est pauvre d'esprit. Merci Madog, c'est ce que je voulais dire par rapport à ton Dieu. Et merci pour la sensibilisation. Merci ma chérie. Ce que moi je dirais, c'est que ce qu'on peut tirer comme leçon de cette histoire de Compressor et de Tatiana, c'est que maintenant, même les belles sœurs, méfiez-vous. Si ce n'est pas que c'est sa belle sœur qu'est, tu sais que c'est même vente. Les belles sœurs là que un gars t'amène, oh, c'est ma grande sœur du quartier, c'est qui du quartier, oh, c'est ma grande sœur, méfiez-vous. Parce que ce qui est arrivé à Tatiana, pas arrivé à beaucoup de gens. Allô? Bonjour. Bonjour maman, comment tu vas ma chérie? Bonjour maman, j'interviens, c'est la première fois. Franchement, la dame qui vient de parler là, elle m'a donné la chair de poule. Franchement, elle a tout dit même dans ton direct. Elle a introduit, elle a développé, elle a conclu. Franchement, bravo. Si tout le monde pouvait penser comme elle, les gens comme
personne n'existerait même pas sur cette terre. Franchement, c'est la honte. C'est la honte de toutes les femmes camerounaises en particulier. C'est la honte. Pardon, ne soyez pas aussi trop dur avec compresseur. Non, je ne suis pas dure. C'est qu'elle se met sur les raisons. Et pour elle, c'est comme un trophée, en fait. C'est pas bien. C'est trop sale. C'est trop sale. Pour une femme, avec toute notre tradition, avec tout ce qu'on a reçu comme éducation, et bon, tu es quand même de quelque part. Tu arrives, ta copine, toi, disant la femme de ton soin, disant ami, couvre les corps, et tu as quand même le courage de le prendre, de le mettre dans ton lit, et tu vas tout dire, j'ai pris, j'ai arraché mon mari, moi. Mais franchement, ça fait honte, ça fait même mal au domaine. Franchement. Et moi, je pense que compréhension, elle n'est pas heureuse dans ce couple-là. C'est la honte, c'est les yeux des gens. Là, le niveau là où compréhension est là maintenant, c'est la honte, les yeux des gens. Mais il n'y a pas de honte quand tu es mal à l'aise. On fait les erreurs. Si tu vois que le gars est une erreur, compresseur, pas. Je ne sais pas pourquoi tu prends les coups pour ce gars. Voilà. Elle n'est pas heureuse dans ce foyer là. Elle ne sera jamais heureuse. Toute ta vie, les gens la regarderont. Même sa belle-mère, qui est une femme, va dire que celle-ci est venue à la chambre. Elle est venue à la chambre. Même sa belle famille là, c'est la honte, on se moque d'elle. Si elle pouvait savoir, elle pouvait quitter ce monsieur là. Parce que moi j'ai honte, c'est rien de tout de Facebook. Franchement, ça fait honte. Merci maman Doka. Merci maman, merci. Allô? Oui, allô, Prince. Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir ma chérie, bonsoir. Oui, s'il te plaît. Ma soeur, je voudrais intervenir. Tiens, en direct, maman. Bonsoir, Dorcas. Oui. Tu es ma soeur de la CSIC. Moi, je suis une fille Bassa, une femme Bassa. Ok. Tu as déjà fait un très beau direct. Très beau direct. Merci, ma chérie. Mais je veux dire que, Dorcas, quand tu fais un direct pareil, ma petite soeur, sois radicale. Parce que ce que tu as de faire aujourd'hui, tu as l'air de sensibiliser. Tu ne dois pas accorder n'importe quelle femme venir dire raconter n'importe quoi. Compresseur, elle est une fille Bassa comme moi, mais elle a très mal agi. Yeah. Tu ne peux pas faire 7 ans avec un homme pour après venir dire les gens, pour après venir raconter qu'elle ne s'est pas préparée. Ici, nous qui vivons en France, il y a pas mal de couples que c'est les hommes même derrière qui ne préparent pour les femmes. Bien sûr. C'est ça. Donc, en Europe, beaucoup. La cuisine n'est pas seulement faite pour les femmes. Hommes, pour les femmes. La cuisine est faite pour le couple. Tatiana, elle exerce un travail qui est très dur. Elle est incroyable, comme il entend dire. Moi, je ne la connais pas. Ouais. Donc, compresseur, c'est un diable à personne. Et le diable à personne. Mais ne sois pas trop dur avec elle, pardon. Ce n'est pas le fait d'être dur avec compresseur. Mais tu es en train de sensibiliser. Mm-hmm. Il va falloir que d'autres femmes le font. C'est anormal. C'est ce que cette fille a fait. Si Tatiana a ouvert sa porte à cette fille, quelquefois, elle ne peut pas arriver à ce niveau-là. Maintenant, Ma, si tu as un conseil à donner à nos jeunes sœurs dans leur ménage, qu'est-ce que tu peux conseiller? Maman, si tu as un conseil, envoyez les cœurs. C'est comme si le lave est signalé, on ne dit rien de mauvais, pardonnez. Si tu as quelque chose, un conseil à donner à nos jeunes soeurs dans leur ménage pour protéger, afin que ce qui est arrivé à Tatiana n'arrive pas, n'arrive plus. Qu'est-ce que tu peux conseiller à nos jeunes soeurs? Surtout pour nous qui vivons en Europe et en Occident. Même en Afrique, ça arrive, Emma. Même en Afrique, ça arrive. Non, puisque en Afrique, c'est rare. Et même si ça arrive, les choses ne se dévoilent pas. OK? Oui, Emma. Oui, Dorcas. Ah, attends. Allô? Oui, ma, donne un conseil. Il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir. Donne un conseil à nos jeunes soeurs. Oui, mon conseil, c'est ne plus jamais ouvrir. Toutes les dames qui sont en couple, n'ouvrez plus vos portes aux belles familles, que ce soit n'importe qui.
C'est là mon seul conseil. Parce qu'au vu de ce qu'on voit là, il n'y a plus de belles familles. Hein. Si les belles, c'est pour dire amoureux avec nos maris, on doit être prudent. Oui, c'est donc la composition qu'on a pour préparer plus que qui. Est-ce qu'elle prépare même? Mon frère, laissez les femmes qui préparent ne font pas l'avantagise. Tu as compris de Dorcas? Oui. Les vraies femmes qui préparent ne parlent pas. Elle fait quelle cuisine, Dorcas? C'est quelle cuisine? Le fiang-fiang, l'eau, hein? Donc, c'est pas la raison. Pourquoi est-ce que tu es tiré après? Voilà. Flo. Oui. Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonjour. Comment, non, bonjour, comment ça va? Oh, ça va, maman, ça va. Je suis un peu enrhumée, mais bon, je tousse un peu. Moi, c'est bien la sensibilisation que vous faites, que tu fais là, c'est une très bonne chose. Parce que je déplore. Allô? Oui, allô, tu m'entends? Ouais. Allô? Oh. Allô? Oui. Oui, c'est bien la sensibilisation que tu fais là, c'est une très bonne chose. Mais je déplore quand même que on est en Occident, on vit comme si on était en Afrique. Que en 2024, qu'on puisse dire que tel a pris le mari, le compagnon de tel parce que elle savait faire la cuisine. On n'est pas au village ici. En plus, on est en Occident. Est-ce que ces gens qui disent ça, ils voient dans leur entourage les couples européens où moi je peux dire pour ma part. Moi, je pouvais dire, faire 3 mois chez moi, je ne faisais pas la cuisine. Hein. Moi, mon mari m'aurait... Mais c'est la façon que je prépare en Afrique. Là, quand j'arrive en Belgique, est-ce que j'ai le temps de préparer parce comme ça? Moi, j'arrive, je sors de mon travail à 21h. Je trouve que mon mari a déjà lavé les enfants, il a déjà fait la cuisine. Il a déjà... La cuisine, ce n'était pas ma préoccupation. Hein. Et c'est vice-versa. C'est la personne qui arrive en fonction des horaires, de ses horaires à lui et à mes horaires, c'est la personne qui arrive qui fait la cuisine. Donc, si je... Quelqu'un qu'on ne peut pas dire en Occident, bon, quelqu'un comme professeur, elle n'a pas de travail. Je ne sais pas, peut-être Tatiana, elle avait un travail. Elle ne pouvait pas passer toutes ses journées. Il y a dit que l'homme, c'est le ventre, le bas-ventre. Non, ça, ce sont des trucs de 1900, ouais, ça n'existe pas en Occident. Hein. Moi, je vois... Est-ce que ces gens-là, que ça soit chez mes collègues. La femme aussi travaille, elle n'a pas le temps comme ça, ça devient vraiment les travaux sont partagés, il n'y a plus de que c'est la femme qui doit préparer, l'homme doit préparer, non. Chez mes amis, chez mes collègues, les trucs sont partagés. Moi, je vois chez mes collègues, chez mes amis, je ne connais aucune de mes collègues qui passe son temps à faire la cuisine pour son mari. Ça n'existe pas, ça n'existe que dans la tête de certaines personnes, ça n'existe pas. Tu ne passes pas tes journées. Le jour où tu es là, tu le fais, mais ce n'est pas une raison de dire que j'ai pris. Elle a eu raison de prendre parce que, attends, ils ont vécu 7 ans. Pourquoi ce monsieur n'est pas mort de famine s'il ne mangeait pas? Je ne comprends pas. C'est ça que c'est bien, mais ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas une raison. Peut-être qu'elle ne savait pas faire la cuisine, elle savait faire autre chose. Il n'y a pas que la cuisine dans un coup, faire la cuisine dans un coup. Elle a fait 7 travaux au gars, ça veut dire qu'elle est excellente, quelque chose que le gars aimait. Oui, elle savait peut-être, elle était une bonne personne. Ou alors c'était un gigolo que la fille lui donnait l'argent. Ou peut-être c'était une bonne conseillère, c'était une bonne, je ne sais pas. Financière. Aussi. Oui, financièrement, ou bien elle était. Mais elle avait aussi quelque chose, elle n'était pas aussi. On ne peut pas réduire une femme à la cuisine. La femme n'est pas réduite à faire la cuisine. Non, de nos jours. Ça veut dire que peut-être elle a fait une formation et puis elle travaillait. Ah, oui. Donc, du coup, elle n'avait pas le temps. Mais en 7 ans, le gars mangeait. Est-ce que le compresseur l'a vu qu'il avait tellement maigri que elle va dire que non, il mangeait. Attends, quelle que soit la façon qu'il mangeait, il mangeait. Donc, moi, je suis infirmière. Je rentre du travail à 21h. Tu crois que je vais faire la cuisine à mon mari? Ah non, ça c'est hors de question. Si tu m'attends, tu pourras rester je ne sais pas combien de jours sans manger. Hein. Ce n'est pas pour ça qu'il va me laisser pour aller prendre quelqu'un d'autre. Hein. Il arrive, il fait sa cuisine, il sort de son travail en fonction de ce... Et il le comprend très bien. Ça dépend de qui... Il faut que les gens sortent un peu du milieu, de noir là,
qu'il aille voir un peu comment ça se passe ailleurs. Ça, c'est autre chose. Ça peut être aussi, les gens peuvent voir les choses différemment. Moi, je ne vois aucune de mes collègues en qui passe. Cas... Mais quand on tourne toujours dans le petit milieu, ah oui, la femme doit faire ci, la femme doit faire. On dirait qu'on parlait à ma mère, à l'époque, c'est à l'époque de ma mère, qu'elle pouvait aller au champ, elle s'occupait des enfants, elle faisait la cuisine. Mais on n'est pas assez, on n'est plus à cette époque-là. Quand, en fonction des activités des uns et des autres, la femme ne doit pas passer son temps à faire la cuisine. Et ce n'est pas une raison de dire que j'ai pris le mari de telle parce que je faisais. À condition que ce soit un gourmand ou bien quelqu'un à qui on donne un morceau de viande comme ça, il court comme un chien. La nourriture, il y a les hommes qui à cause de la nourriture, on peut les entraîner. Par exemple, mon papa nous disait souvent que ce qu'il a entraîné, que ma mère l'a pris qu'avec la nourriture, il y a les hommes comme ça. Hein. Ah bon. Elle nous a dit ça. Ah bon? C'est avec la nourriture que ma mère l'avait pris. Hein. Ah, bon, si je peux encore accepter que c'était à l'époque de nos parents, oui, mais pas à notre époque, et en plus en Occident. Attends, tu vois le stress, tu vois tout ce qu'on a ici, le travail et tout, les horaires et tout. Comment tu peux avoir le temps, sauf les personnes qui ne travaillent pas, ont tout leur temps à faire la cuisine toute une journée, hein? Moi, je ne me vois pas faire la cuisine tous les jours. Ok, ah non, Florence, non. Merci. Hein. Oui, à plus. Le réseau de... À plus, maman. Merci beaucoup. Donc, merci à tous ceux qui ont participé au live. Ce qu'on retient, c'est que quoi? Il n'y a plus de belles sœurs qui tiennent. Ok? Ce qu'on retient à tous nos jeunes sœurs là qui sont en couple, on ne dit pas qu'être marié. Vous êtes en couple. Ne faites plus confiance aux gens bêtement. OK? On dit que c'est à cause de la nourriture qu'on a pris Thierry. Apprenez à faire la cuisine à vos gars. Ne laissez pas une tierce personne que vous n'êtes pas sûr de faire la cuisine à vos gars. Ne laissez pas. Surtout quand vous savez que vos gars aiment, que vous avez un mari qui aime la nourriture, votre partenaire est accro à la nourriture. Ne laissez pas une autre femme faire la cuisine pour votre mari. Le dehors est mauvais. Vous avez vu qu'à cause de manger, Tatiana a perdu son gars au profit de compresseur qui sait faire la cuisine. L'ego, ne laissez plus les femmes faire la cuisine à vos maris. Même si vous êtes fatigué de préparer, mieux vous partez acheter la nourriture, vous venez mettre à la maison, ils mangent. Ne laissez plus une femme s'introduire dans vos ménages au point où c'est la personne qui fait la nourriture. Matin, midi, soir, vos gars, on ne veut plus les pleurs de Mbolé, comme ce qu'on est en train de vivre avec Tatiana, sur Meta. On est fatigué des pleurs de Mbolé. N'acceptez plus les baisses bracata dans vos maisons. Oh, c'est ma tata grande sœur du quartier. Oh, c'est ma ceci du quartier. Oh, c'est ma grande sœur. Oh, c'est ma sœur. C'est vrai, mais il y a un mais. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les tata grande sœur parfois qui respectent le corps. Mais comme on ne connaît plus qui est qui, c'est pas mieux, on va les mettre à distance. C'est pas mieux. Parce qu'il y a les vrais. Il y a les vrais tata grande sœur, hein, que vous n'êtes pas famille, vous n'êtes pas de la même famille, mais c'est ta tata que non, tu es sûr que non, il y en a. Mais comme on ne connaît plus qui est qui, comme ce n'est pas écrit sur le front et qu'on ne peut pas discerner, ce n'est pas mieux qu'on les gère à distance. C'est mieux qu'on les gère à distance. Et que chacun respecte son couloir. Préparez à vos maris. On ne veut plus entendre que c'est parce que vous n'avez pas préparé à vos maris que le mari est parti. Mais Jean, la paix est bien. La paix est bien. Faites la cuisine à vos maris. Oh. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris avec quoi? On est fatigué de venir faire les directs. Hein? Vous avez compris avec quoi? Voilà. Donc, c'est ça. Les gens qui cherchent tous les amitiés pour associer à leur couple. Vous avez vu que dans le cas de compresseur, c'était deux couples amis. Dans le cas de compresseur, donc, même quand c'est deux couples amis, la femme de l'autre ami là,
méfiez-vous. Dans le cas de compresseur, c'était deux couples amis. Ça veut dire que quoi? Thierry était avec Tatiana, Achidikolo était avec compresseur. C'était deux couples amis que le gars a tapé le dos à Achidikolo et compresseur a tapé le dos à Tatiana. C'était le deux couples amis. Donc, on ne sait plus comment vivre de nos jours. Et remettez-vous à Dieu. Priez beaucoup dans vos ménages. On ne sait plus où se mettre. Parfois, on dit que, avant, on nous disait qu'on ne marche pas avec une femme célibataire. Une femme célibataire peut arracher ton mari. Une femme célibataire ne parle pas le même langage que toi. Une femme célibataire ne peut pas te donner un bon conseil. Une femme célibataire ne peut pas. Non, cherche un autre couple marié. Tatiana a cherché un couple de Achidikolo et compresseur. Voilà là où un autre couple lui a amené. On va leur faire comment? On va vivre comment? Donc le monde est devenu méchant. Le monde est bizarre. Le monde a tourné de sens. On ne sait plus où mettre la tête. On a vu ici même les mamans coucher avec les maris de leurs enfants. On a vu ici les papas, jusqu'à aujourd'hui ça existe, mougou les femmes de leurs enfants. On va faire comment? On va faire comment? Donc, il faut prier. Je ne sais pas ce qu'elle peut vous dire. Parce qu'elle veut vous dire qu'aller vers les copines arrachent les maris. Cherchez un autre couple avec qui vous allez être les amis. Voilà l'exemple avec Compresseur et Achille. Voilà ce que ça a donné. On va leur se référer à quoi? La seule personne qui ne va pas nous trahir, ce n'est que Dieu. La seule personne qui ne peut pas nous trahir, ce n'est que Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Ce n'est que lui qui est fidèle et qui ne trahit pas. Les humains trahissent de nos jours. Ton propre mari te trahit. Il te trahit comme si te regarde, il te trahit. C'est pourquoi vous êtes toujours dit ici, soyez prudente dans vos mariages. Ne prenez pas vos mariages pour acquis. Ayez toujours votre plan B. Dans tout ce que vous faites dans la vie, ayez toujours un plan B. Que si le plan A ne marche pas, tu actives le plan B. Ne vivez jamais sans le plan B. Je vais vous dire ça, et redire. Ne vivez jamais sans le plan B. Et mettez toujours dans vos têtes que tout peut arriver. Soyez toujours préparés psychologiquement que tout peut arriver. Vous voyez, Tatiana sur Facebook en train de crier yugu, 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 parce qu'elle ne savait pas que Compresseur pouvait lui faire ça. Elle ne savait pas que Thierry pouvait lui faire ça. Donc, vivez avec vos maris en sachant que ça peut finir demain. Et si ça finit, c'est normal. Chacun prend sa route. Ça fait que tu préserves ton cœur des surprises. Soyez des femmes indépendantes. Ne dépendez pas totalement de vos maris. Parce que quand tu es dépendante, quand on te fait ça, tu veux te quilam seulement. Tu veux te quilam. Soyez des femmes indépendantes. Vivez avec votre plan B. Voilà ce que moi, je peux donner comme conseil. Oh. Ne me demandez pas que Mado, le plan B, c'est quoi? Chacun cherche son plan B. Mais il faut que chacun ait son plan B. Il faut que chacune ait son plan B. Comme porte de sortie. OK? Donc, ne faites plus confiance aux gens. Une place. Faites confiance à vos enfants que vous avez accouchés. Parfois, tu as même un enfant à la maison, ton mari mougou l'enfant là, jusqu'à l'enfant là devient ta coépouse. Donc, faites confiance à vos enfants. Les seuls gens à qui je fais confiance dans ma vie, c'est mes propres enfants que j'ai écarté mon élan, j'ai accouché. En dehors de mes enfants, je ne fais confiance à personne. Je dis bien, personne, même mon mari, je ne fais pas confiance. Les hommes sont comme ça. Donc, vivez aussi en bandit, comme ça là.
Soyez des femmes indépendantes. Ayez le contrôle de tout ce que vous investissez avec vos maris. C'est ce que je vous dis tous les jours. Ne soyez pas les femmes là que le mari se lève, il ouvre la porte, il dit que sors, tu sors avec tes bagages sur la tête. Non. Ayez le contrôle. Ce que tu achètes avec ton mari, rassure-toi. On a dit ici la dernière fois que quoi? Mettez tout au nom de vos enfants que vous avez accouchés. Mettez tout au nom de vos enfants. Battez-vous comme vous pouvez. Flattez les hommes. Mouguillez-les comme vous voulez pour qu'ils mettent tout au nom des enfants. Vous avez vu que la tête cassée, vous êtes entré, vous-même, vous étiez à court d'arguments. Vous avez essayé de défendre, vous défendez l'indéfendable. Franchement, vous-même, vous avez essayé, hein, dans ce live, la tête cassée, vous vous êtes battu. Vous vous êtes battu pour essayer de colorier, pour essayer d'arranger, pour essayer de tourner, pour essayer de tordre ça dans tous les sens, pour que ça se présente un peu comme si c'était bien. Mais après, vous-même, vous avez compris que quand vous avez posé les questions, vous avez tourné même sur les questions, répondre même aux questions que vous posez, vous ne vouliez pas, parce que vous ne pouviez pas répondre. Vous ne pouviez pas. Quelqu'un dit que parle de Papa Fondia, s'il te plaît. Je vais parler de lui que quoi? Est-ce qu'il a présenté la femme avec qui il est maintenant à son ex-femme que voilà ma soeur? Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas la même chose. Il est rentré avec la mère de ses enfants. Est-ce qu'il y a quel crime à ça? Est-ce qu'on va lui faire un procès pour ça? On ne peut pas lui faire un procès. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Comment vous allez dire que vous ne pouvez pas comparer le cas Papa Fondia et le cas Compressor? C'est deux mondes différents, mes gens. Il faut arrêter. Parle de tes sœurs Bamleke. J'ai dit que quoi de mes sœurs Bamleke alors? En tout cas, on a parlé. Et je suis en train de remarquer également la dame qui a signé le contrat avec Compressor là. Elle annonce déjà un clash avec Compressor. Parce que vous allez voir ce qui se passe. Elle fait comme si non. La page n'est plus. Elle cherche déjà comment. Elle va expliquer le fait que elle va casser le contrat, elle va résigner le contrat avec Compressor. On connaît tout le game là. Si tu es fatigué de payer et que tu n'as plus l'argent de payer, pas doucement, sans faire de bruit. Je parle à la dame qui a signé le contrat avec Compressor. Si tu vois que l'argent que tu payais, tu ne peux plus payer, pas doucement. Tu laisses Compressor. Parce que c'est comme ça que vous êtes. Ce que tu veux faire là, c'est la sorcellerie pure et simple. Si les clauses avec Compressor ne t'arrangent plus, tu appelles Compressor en offre, tu dis qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai résigné le contrat. Tu n'es pas la première personne le français. On dit cosmétologie en français, on dit quoi? Cosmétologie en français, on dit quoi? Tu n'es pas la première personne. Tu n'es pas la première personne des produits de beauté qui signe avec les blogueuses sur Facebook. Personne n'a fait ce que tu veux faire. Cosmétique. Personne n'a fait ce que tu veux faire. Ok, moi-même j'ai fait la publicité des gens sans ici. Quand c'est fini, c'est sur silence, ni vu ni connu. Les gens qui vendaient les produits cosmétiques, ce sont les waka. Quand je dis waka, ça veut dire que quoi? Elles bordent de blogueuse en blogueuse, de blogueuse en blogueuse, de blogueuse en blogueuse. C'est les gens instables. Si tu trouves que ton contrat avec Compressor ne t'arrange plus,
Tu pars doucement sans faire de bruit. Tu n'as pas à vouloir venir étaler la vie de compresseur sur Facebook, étaler ce que sa page est devenue sur Facebook. Si elle a un problème avec sa page, c'est son ressort de venir expliquer aux gens. Ça ne t'incombe en rien de venir parler de ce qui s'est passé avec sa page. Ça ne te concerne pas. Si ton temps est arrivé, ton contrat est arrivé à terme avec compresseur, pas doucement. Pas doucement, parce que ce que tu fais là, tu veux déjà nous annoncer un clash avec compresseur. Tu veux expliquer que je vais parler. Non, il faut partir. Tu ne veux plus le contrat avec compresseur, pas doucement, parce que tu fais là, c'est la sorcellerie, ce que tu veux faire. Tu es venu, tu l'as séparé avec mes sangs. Aujourd'hui, tu veux venir la déposer en venant parler de ce qui se passe en interne avec elle. Ce n'est pas bien. Tu dis que je m'en fous de ce qui va se passer là-bas. Vous croyez que vous pouvez venir détruire les gens comme ça et vous en foutre aussi facilement? Vous croyez que les gens vont prendre les coups pour vous? Après, quand ça vous convient, vous venez narguer les gens, vous voulez narguer comme les vieilles chaussettes comme ça là et vous croyez que c'est bien? Julie, si c'est Julie qui l'a, tu es fatiguée d'être dans ma part, fous le camp. Vous croyez que les gens vont prendre les coups pour vous? Se créer les ennemis par-ci, par-là, et vous levez un matin comme ça, vous venez les larguer comme les chaussettes, vous venez les narguer. Tu veux parler quoi? Jusqu'à dire que vendredi, je vais parler. Tu parles quoi? Tu vas parler quoi? Tu n'as plus l'argent à payer, tu pars. Tu pars chercher une autre blogueuse qui te convient. Alors, tu peux aller avec, tu peux même contacter Fleur de Lille. Est-ce que les vendeuses de Njansan ont les sentiments? Ils n'ont pas de sentiments. Les vendeuses de Njansan n'ont pas de sentiments. Ils partent là où ça les convient. OK? Il y a plein de blogueuses sur Facebook. Ça ne va pas, va même chez Nketcha, non? Nketcha t'a bien soutenu. Va même chez Samé, donne le contrat à Samé. Donne le contrat à Samé, donne le contrat à Mekamé. Tu lui as expliqué les problèmes de compresseur, ça concerne Facebook en quoi? Ça ne concerne pas Facebook. Ton contrat avec compresseur ne t'arrange pas, tu résignes le contrat. Si les clauses qui avaient été signées ne sont plus respectées, tu résignes le contrat et tu passes à autre chose. Et t'as donné la vision. Visibilité. Tu fais toi-même tes pubs. Elle t'a donné la visibilité. Tu vas venir expliquer quoi? Tu vas venir expliquer quoi? Tu n'as rien à expliquer. Il faut arrêter ça. La dame qui vend l'onjansan là, il faut arrêter ça. C'est vous qui vendez l'onjansan. C'est vous qui vous êtes sur les filtres plus que nous autres qui ne vendons pas l'onjansan. Pour vendre l'onjansan, vous avez les teintes parfaits. Pourquoi vous mettez tout le filtre tous les jours? Enlevez le filtre, on va voir vos vrais teints. Vous pouvez acheter vos produits. Enlevez le filtre, on va voir vos vrais teints. Vous vendez le Njansan, mais vous mettez le filtre plus que... Vous mettez... Non, vraiment, hein. Vraiment. Vraiment de Dieu. Normalement, vous devez être égérie de vos propres produits. Quand vous venez, pourquoi vous mettez le filtre? Vous mettez le filtre quand vous vendez le Njansan. Tu vends le Njansan, tu dis que non, ton Njansan, c'est le meilleur Njansan qui est sur la terre. Quand on met ça à moins de 24, on devient tangan. Mais quand toi-même, tu viens, tu mets le filtre. Il a fallu que le compresseur sorte pour dire que vraiment, le Njansan l'a détruit et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et qu'elle a arrêté. C'était trop bien. Et je crois que c'est ça qui te hotte, le fait que le compresseur a dit à Mondo Vision que nos... Tout son visage, il a gâté son corps, il a gâté la retour de Njansan. Je crois que c'est ça qui te rote. Ce n'est pas une question de page. Une page peut avoir 1000 vues, 1000 abonnés, mais fait 30 000 vues. On ne suit pas une page par le nombre d'abonnés. Arrêtez de raconter des histoires. Il y a les abonnés fictifs sur les pages. Il y a les pages, regardez la page de Ducambino. Il a une page de 150 000 abonnés. Mais il fait le live là-bas, il y a 800 vues. 800! Quand il a trop fait 1000 vues. Moi qui a 15 000, qui a 16 000 abonnés, je fais un live, j'ai au moins 30 000 vues.
J'ai 20 000 vues. Donc, tu vas aller suivre la page de 150 000 abonnés. Même si la compresseur fait le live sur la page des enfants de Maman Pépé, elle a les vues plus que quelqu'un qui a une page de 200 000 vues. Elle a les vues. Tu veux quoi? Les vues ou tu veux les abonnés? Les abonnés ne font pas les vues. OK? Les abonnés ne font pas les vues. Pépé, tu m'allais bas. Elle atteint un niveau de Stamaniac. Elle fait le live dans n'importe quelle page. Elle aura les vues. Elle a ses vues. Elle est un peu la même dimension comme les Fleurs de Lys. Fleurs de Lys peut même aller faire le live dans une page de 1000 abonnés. Au sorti de là, elle ne va pas manquer 20 000 vues. Elle ne va pas manquer 20 000 vues. Donc, arrêtez de souvent, vous, quand vous voulez, gars, sortir, salir les gens avant de sortir. Salir les gens. C'est vrai que quand j'ai suivi que Compresso a arrêté l'onjansan et qu'elle se plaint que oh, ça a gâté son corps, pour la publicité des produits qu'elle vendait, elle ne devait pas dire ça, c'est vrai. Elle ne devait pas dire ça parce que tu ne peux pas dire que tu es égérie d'un produit et tu viens te plaindre que ton corps ne donne pas, c'est un problème. C'est un problème. Donc elle devait sortir en douce, mais continuer à mettre les filtres pour mentir les gens. Elle devait continuer à mettre les filtres parce que même quand le corps est gâté n'importe comment, tu mets le filtre, ça travaille ton corps. Ça travaille. Travaille ton corps. Donc, le fait que Compresso est sorti d'une jansan, ça veut dire que ça l'a plutôt gâté. Si c'était bon, elle sort pourquoi? Si c'était bon, pourquoi Compresso laisse une jansan là? Elle laisse ça pourquoi? Ça veut dire qu'il y a eu un problème qui a endommagé son corps. OK? Donc, quand ça ne va pas, hein, chacun prend sa route. Moi, mais j'ai elle fait les publicités ici là. Il y a une fille aux États-Unis là-bas qui m'avait contacté. J'ai fait sa publicité. Et les gens qui font les publicités de Njansan là, quand ils t'ont déjà payé un, deux mois, ils te jonglent. Ils veulent utiliser ta visibilité pour un mois pour que tu fasses connaître les produits. Après, pif, ils disparaissent. Ils se disent que non, en un mois, ils ont déjà eu ce qu'ils voulaient. Alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Voilà, Flore, elle est toujours sur son contrat et la gamme se fait connaître. La gamme se fait connaître. La gamme se fait connaître. C'est ça. Oui. Quand vous signez les contrats avec les gens, signez les contrats que quand tu fais la publicité, tu mets mes produits comme Flore de Lys fait souvent. Quand moi, je faisais la publicité de Njansan et cela, je ne faisais pas un live sans mettre les produits devant moi. Je mettais les produits. Dans tous mes lives, je mettais les produits. Oui. Je mettais les produits. C'est comme ça que Messan a fabriqué cette femme. Tous les lives de Messan, les produits de la femme étaient tout posés devant. Tous les lives de Messan, les produits de la femme là. Après, elle est venue cracher sur ça. Elle a pris Compresso. Elle est déjà en train de vouloir cracher sur Compresso. La tête cassée, j'ai l'impression que vous êtes en train de voir ce qui se passe. Mais on attend, ça va venir nous trouver sur place. On attend. Ça va venir nous trouver que sur place. Et on va débattre. On va décrypter. On va décrypter. Et quand on décrypte, ne venez pas dire que, oh, voilà, voilà. Donc, partez déjà avec la femme là en offre. Que si tu veux partir, pas doucement. Ne viens pas crier. Parce qu'actuellement, Compresso en secret sur Facebook, hein, si la femme là vient encore ajouter, ça va être un coup de marteau qu'elle aurait donné à Compresso. Le couple Messan va faire la récupération, hein, avec toute la team, le team là, non, la team de la vérité là. Ils vont récupérer, hein, et ça va être une humiliation pour Compresso. Donc, j'interpelle cette femme de sursoir ce qu'elle veut faire. C'est pas bien. J'interpelle cette femme de sursoir ce qu'elle veut faire. C'est pas bien. C'est pas bien. Tu ne peux pas voir actuellement que Compresso est encerclé sur Facebook. Parce que pour dire vrai, elle est encerclée, elle ne sait pas où mettre la tête. Tous les cheveux sont en train de blanchir sur la tête de Compresso. Tu viens encore ajouter ce que tu veux faire. C'est pas bien, maman. Même si on va dire que non, tu t'en fous. Ce n'est pas bien. Vous ne pouvez pas faire du mal aux gens et vous dire que vous vous en foutez. Ce que tu veux faire là, ne fais pas ça. En ramassant le caillou, l'oiseau a vu. Tu vas venir parler qui a pris la part du Compresso. Il faut laisser l'affaire là, ça ne te concerne pas.
Il faut laisser ça, ça ne te concerne pas. Qui a pris la part de compulsion, ça ne te concerne pas. Ce que tu veux, c'est les vues. Si tu vois que les conditions dans lesquelles compulsion est maintenant ne t'arrangent plus, tu résignes le contrat, point barre. Et tu pars comme tout le monde. Tu n'as jamais vu une vendeuse de Njansan qui a signé le contrat avec quelqu'un en partant, c'était les clashs. Non, nous tous on signe les contrats de Njansan sur Facebook. Mais quand chacun trouve que non, il t'a déjà exploité jusqu'à sa part arrivée, il part doucement, sans faire de bruit. Ok, tu as vendu le Njansan des gens. Vous n'avez jamais entendu que les propriétaires de Njansan sont clashés avec Kétia. La Lyon a vendu le Njansan des gens et elle vend tout le Njansan des gens. Vous n'avez jamais entendu que oh, ça a clashé. Flo a vendu l'Indiansan avant l'Indiansan si. Flo a fait l'Indiansan, a vendu l'Indiansan des gens jusqu'à. Je ne peux pas citer le nombre de marques que depuis que Flo est sur Facebook, Flo a représenté les marques. Je crois que même notre blogueuse, là, ma consoeur, Bamileke, là, elle-même aussi, elle a vendu l'Indiansan jusqu'à. Quand ça finit, chacun prend sa route. Il n'y a pas une vendeuse de Njansan qui a fait des problèmes. Quand ça finit, chacun prend sa route. Karim vend les Njansan. Tu n'as jamais entendu qu'elle s'est clashée avec l'homme Waminga ou que le contrat est monté. Ça ne va pas. Elle résigne en solo. Tu ne peux pas faire toujours ton commerce dans le clash pour te faire voir. Ce n'est pas bien. C'est toi seul ton Njansan que tu es dans tous les clashs de Facebook. Tu veux la visibilité, mais tu es une commerçante. Tu es une commerçante. Et tu gagnerais mieux à être bien avec tout le monde. Au lieu d'aller te mettre dans un engrenage d'une seule team. En étant dans une seule team, tu perds en vente. Quand tu veux faire le commerce, prends l'exemple sur Karimou. Elle est neutre dans les affaires de team. Les Aïcha Kamoise, Aïcha ne se mêle pas dans nos clashs parce qu'elle connaît que les vieilles mères là ne donnent pas le lait. Et c'est que si elle entre dedans, elle dit qu'elle a la bouche, mais on va l'encercler sur Facebook. Nous sommes les vieilles mères, mais on a les stratégies de combat. On a des stratégies de combat bien même. Ok? Il y a aussi l'étoile cribienne qui aime aussi peut-être donner son avis, mais elle est dans son couloir. Elle a sa propre team qui est les quoi là? Les étoiles. C'est ça, non? Les étoiles, non? Elle a sa propre team qui est les étoiles. Elle aussi, elle fait un peu dans le socle pour la visibilité. Je crois que ton couloir que tu veux prendre là, ce n'est pas bon. Tu veux partir pas tranquillement. Tu laisses tout comme ça. Pas tranquillement. Elisabeth Bourgeois dit que pourquoi tu ne parles pas et décryptes pour tes soeurs? Tu veux qu'elle décrypte quoi? Il y a une personne que je n'ai pas décrypté sur Facebook. Man. Donne-moi le nom. J'ai décrypté Flor Dédé ici, fatiguée. Elisabeth m'a insulté jusqu'à. Quand il finit de m'insulter, n'est-ce pas? Il me laisse toujours. J'ai décrypté ma consoeur ici, la fatiguée, non. C'est Lulu Maya m'a insulté jusqu'à. Quand il finit de m'insulter, n'est-ce pas? Ils se sont calmés. Je ne décrypte pas. Quand je vois un sujet que je vois que je peux parler, je parle. Oui. Je parle. Elisabeth m'insulte, après ça passe. Les Lulu Maya m'insulte, ça passe. Quand on a un sujet qui se fait pour se caler sur lui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Merci à tous ceux qui ont participé au live. On a fait un très beau live. Merci à vous. Je vous aime très fort. Merci. Bon. Je vous aime. On m'a même appelé pas mal. Tu te rends compte, Amélia Pérez. Amélia Pérez, tu te rends compte qu'on m'a collé pas mal. Toujours sur Facebook. On m'a donné le fond sur Facebook. On m'a donné ma femme là sur Facebook. On m'a donné qui encore? Je vais encore dire quoi même. Donnez-moi les noms qu'on m'a donné. On m'a encore appelé qui même? Marie de nuit. Toujours sur Facebook. On m'a
faut appeler qui même. Donne-moi tous les noms qu'on m'a donné. On m'a encore donné qui? On m'a encore appelé qui? On m'a donné tous les noms. Ce n'est pas sur Facebook. On a dit que j'étais Koudjé, alors que je suis mariée à la maison avec un du gars de la forêt. Hé, Chilo, tu es venu quand moi je parle, le live est en train de finir. Moi, je parle déjà, maman. Tu es venu ici en train de finir le live, Chilo. Comment tu vas alors, ma personne? J'espère que tu vas bien. Je suis là, oh, ma personne. Oh. Ma femme là, voilà le nom qu'on m'a donné sur Facebook. Je vais faire comment? Maman, laissez Oshiga. Oshiga est enceinte, pardonnez. On ne tire pas sur l'ambulance. Laissez la couche d'abord. C'est qu'elle va accoucher, qu'elle va venir nous dire, non, le bébé est de Facebook. On laisse la Oshiga, on ne tire pas sur l'ambulance. Elle est enceinte, elle est vraiment enceinte. Donc, on va respecter sa période de grossesse. Ah bon, Chilo, ça me va très bien, merci. J'ai une très belle tête pour les couches, les coupes en fait. Oui! J'ai demandé à mon mari que chérie, c'est le poteau que j'ai ou c'est le plantain que j'ai. Comment il demande, pourquoi tu demandes que chérie, que tout le monde est déjà à Facebook que j'ai le plantain? Ha! Ouais, le boulot. Maman, moi, elle est venue choquer bientôt, non? Tu arrives. Bientôt, là, elle serait là. Moi, elle vient choquer un peu. Je ne sais pas pour combien de temps je serai là-bas, mais je vais choquer un peu, maman, pour rentrer quand même avec quelque chose. Elle est venue choquer un peu là-bas. C'est ça. Vous voyez, j'ai souffert dans la main des abeilles et des romans. J'ai souffert. Il sort de l'eau. Les gens là m'ont fait ça. Quand je vois les abeilles m'appeler aujourd'hui, que hey, Mado, on tape les commentaires jusqu'à j'ai envie de bondir même sur une pour l'attraper. Je dis que vous savez ce qu'on m'avait fait sur Facebook. On est les amis depuis quand? Vous savez ce qu'on m'avait fait sur Facebook? Hein? Ha! Maman, il faut venir les voir maintenant. Elle m'appelle. Hé, hey, Mado, c'est comment? Mado, maman, il y a le soco sur Facebook. Mado, j'ai dit que ce n'est pas vous qui m'avez insulté, c'est en faux profil jusqu'à me donner le plantain en bas. C'est le soco de quoi que vous venez me donner? Vous m'avez donné les camps. Jusqu'à une grande femme comme moi, on m'a collé par ma jusqu'à maman. J'ai regardé mon corps comme c'était dépassé. Les gens m'ont supplié que Dorka quitte Facebook. Quitte-les, on t'insulte, il y a tout. Eh, maman, mes mamans ont eu pitié de moi. Les mamans ont eu pitié de moi. Elles me suppliaient que ma quitte Facebook. Tu ne connais pas le monde là. Ils vont t'insulter jusqu'à. J'ai signé. J'ai dit aux mamans là que oui, je vais quitter Facebook le lendemain. Ils me voient encore dans le live en train de clasher aussi. J'ai dit que mais je vais quitter. Les gens sont croient qu'elles m'ont gagné. Je ne laisse pas. Je ne laisse pas. Elles m'allument, j'allume. Elles m'allument. Et curieuse, le problème c'est que moi à l'époque, je n'avais même pas. Vraiment, les gens pour me. Je n'avais pas aussi les alliés qui pouvaient me défendre. J'étais seule, maman, contre toute une merde. Ça, je dis que ça sortait de partout. On m'a caricaturé. On a sorti des photos que j'ai les barbeaux. Hey, que moi-même, je regardais comme ça. Je dis que non, si j'étais un homme, c'est que je devais être très beau, hein. De ces 40 photos, je ne connais pas là où les photos là sortaient, maman. On me mettait les barbes, d'autres me mettaient les cheveux blancs avec les barbes blanches. Comme si j'avais même 100 ans, maman. On peut faire ça. On peut faire ça. Mais Dieu vous voit. Hein. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Dieu merci que Flo est venu dire que vraiment on dépose les armes. Moi, mais t'es fatigué. T'es fatigué. Franchement. Moi, j'étais fatigué. Pardon, ce n'est pas non, mes gens. Vous me perdez le temps. Vous n'envoyez pas les étoiles. Vous croyez que je suis votre guignol. Hein? Je vais venir parler comme ça pour vos beaux yeux. Allez, tournez, dis donc. Quand je lance les là, vous venez ouvrir vos larges mimbans ici là.
vos longs clitos là pour venir rire ici là. Je suis votre guignol. Voilà, Facebook est tombé. Il n'y a plus rien à Facebook. Facebook est mort. Tout le monde a TikTok maintenant. Facebook est mort. Maintenant, les mamans qui n'aiment pas Facebook là seront d'un pour elles. Hein? Parce que maintenant, tous les jeunes sont à TikTok. Ceux qui sont restés à Facebook, c'est les matins là. Elles vont aller faire quoi sur TikTok? Elles savent que TikTok, c'est quoi? Elles sont habituées avec Facebook. Ouais. C'est ça. Voilà. Bon, j'attends impatiemment ma date de voyage. Voilà. Et demander que il y a quand même une personne, il y a une de mes fans de Houston qui veut une valise pour que je revienne avec. Je peux encore prendre deux valises. OK? Pour ceux qui veulent les valises de nourriture. Donc, vous faites vos valises. Je peux encore prendre deux personnes. Pas plus. Je peux encore prendre deux personnes. Pas plus. Voilà. Bon, mes gens, mon visa expire au Cameroun. Quand je rentre, on va m'arrêter à l'aéroport. On va faire comment de moi? Dites-moi non. Et j'ai chamalé. Eh, mes gens, mon visa expiré. Quand je rentre, on va m'arrêter à l'aéroport. Voilà, tout le monde a TikTok. C'est ça qu'il dit, non, Patricia? Tout le monde a TikTok. Les gens ne veulent plus Facebook. Eh, mes gens, dites-moi alors. Hein? On va m'arrêter. On va m'arrêter. Ma part de valise est déjà pleine. J'ai dit que si quelqu'un veut prendre, que je l'amène une valise, il fait lui-même son, sa, elle fait elle-même sa valise et elle paye à l'aéroport pour que je vienne avec. Ma part de valise est déjà bouclée, c'est plein. On va m'arrêter. Undem. Et le laisser passer là, c'est combien? Bonjour. Je viens.